Bonsoir à tous, c'est Fedrix pour une nouvelle soirée un petit peu particulière puisque ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vraie partie autour de jeux de société. Donc on va découvrir aujourd'hui un jeu de la série Adventure Games. Mais avant ça, je voulais vous parler vite fait de mon week-end. Pas pour vous raconter ma vie de manière générale, mais parce que j'ai profité de ce week-end et d'une animation particulière pour aller visiter le Computer Museum de Namur, le NAMIP. Et c'était bien sympathique, j'avoue que je m'attendais à quelque chose d'un peu vieillot vraiment avec des machines exposées sans un peu sur des linéaires et sans trop d'intérêt. Finalement, c'était plutôt pas mal. Et en plus, du coup, il y avait l'association Pixel Days qui faisait une journée rétro gaming, donc une animation autour du jeu vidéo. Donc c'était aussi sympathique de voir ces deux univers qui se rencontrent, évidemment, qui sont assez proches. J'en ai ramené un petit souvenir, puisque du coup, j'ai ramené une carte perforée pour vous dire que c'est vraiment des vieux ordinateurs qu'ils ont là-bas. Et ils proposent donc de repartir en souvenir avec une carte perforée sur laquelle ils ont encodé un texte. Donc il y a plusieurs textes possibles. Moi j'ai choisi des petits trous, toujours des petits trous. Je trouvais que c'était un peu de circonstance. C'était assez rigolo. Petite note d'humour. Voilà. Je ferai pas de stream sur le musée en lui-même. Par contre, j'ai filmé un peu sur place, j'ai interviewé des gens. Et il y aura une vidéo qui sera disponible sur la chaîne normalement dans la semaine. Voilà. Eh bien, j'espère que du coup vous allez bien. Et puis on va partir sur cette soirée spéciale Adventure Games. Alors qu'est-ce que c'est Adventure Games? Bah, c'est une petite boîte. Vous la voyez sur le côté. Et vous voyez, c'est une petite boîte. Et ça se présente comme un jeu à la croisée en fait de l'escape game un peu, puisque on va jouer pour résoudre une énigme, pardon, un mystère. Sur un scénario prédéfini, donc là, ici le scénario s'appelle Frisson à l'hôtel Abaddon, et en même temps les auteurs revendiquent une parenté avec le point and click, c'est ce qui m'avait intéressé, ce qui m'avait excité, ce qui avait excité ma curiosité, parce que eh bien chaque scène, chaque objet, chaque personnage va être activable, combinable, etc., un peu comme dans les jeux d'aventure à l'ancienne. Donc je vais vous présenter un petit peu ça et voir au fur et à mesure comment ça marche, mais plutôt que de le faire tout seul, comme d'habitude, j'ai aujourd'hui la chance d'avoir une équipe d'enquêteurs de choc qui va venir me rejoindre pour participer à cette partie. Et donc, juste après le jingle, je vous les présente. Ben voilà, donc une petite partie de Adventure Games avec donc 4 investigateurs. Je vais vous montrer tout de suite, on y va, les 4 investigateurs. Vous avez Madame Suzanne Pendergast. Alors Madame Suzanne Pendergast, elle est présentée, donc on va commencer à regarder un petit peu le matériel, elle est présentée dans le jeu au départ, dans le manuel. Le manuel en fait est en deux parties, il y a un manuel de règles qui est assez court, assez bref, surtout que la moitié c'est des aides, donc en fait le manuel il tient en 6 pages. Et puis vous avez le livret d'aventure qui va vous permettre en fait un peu à la manière des livres dont vous êtes le héros avec des paragraphes de progresser dans l'aventure. Alors l'avantage c'est que comparé à d'autres jeux un peu du même style, pardon, il n'y a pas d'application téléphone. Donc il faut lire, c'est pas le téléphone qui fait le boulot à votre place, mais par contre il n'y a pas besoin d'être dépendant d'une appli. Et elle est présentée donc au début, cette madame Suzanne Pendergast, puisque elle est très intéressée, c'est une ancienne professeure d'histoire, et elle est intéressée par ce qui a pu se passer à l'hôtel Abaddon, qui en fait a eu une histoire tragique. Alors, je vous lis un petit peu ce qu'on apprend sur ce bâtiment, c'est que cette ancienne bâtisse a eu, il y a 50 ans, un accident. Il y a eu un incendie qui a causé la mort de plusieurs personnes, et dont l'origine reste à ce jour inconnue. Et du coup, Madame Suzanne Pendergast est intriguée par cette histoire, et en tant qu'ancienne historienne à la retraite, eh bien, elle va décider de profiter de ses vacances pour aller à l'hôtel Abaddon, qui est donc qui est toujours dans le même lieu, dans le même bâtiment, et pour un petit peu se faire son avis. Et nous avons donc, pour jouer le rôle de Suzanne Pendergast, Cherkey. Bonjour Cherkey. Ah, je sais pas, on t'entend pas du tout. Ah si. Je sais pas si on m'entend bien ou pas, mais Oui, très bien. je suis là.
Bah merci à toi en tout cas d'être venu. Alors, tu auras le rôle de la vieille historienne, le puits de sagesse. Les personnages ont des objets à leur disposition et chaque personnage va commencer le jeu avec des objets personnels qu'il ne pourra pas échanger avec les autres. Donc je vais tout de suite les distribuer. Si je dis pas de bêtises. Madame Pendergast. Alors, toc toc toc. Donc vous voyez, c'est indiqué et vous avez des numéros. Alors c'est peut-être pas marqué ici. Je vais les retrouver. C'était au niveau des 50. Si c'est ça. Voilà. Donc vous avez évidemment chacun, vous aurez évidemment chacun la clé de votre chambre. Hop, hop, hop. Et chaque personnage aura une. Un objet particulier. Et donc pour Madame Pendergast, il s'agit d'une montre à gousset numérotée 50 Ok. et de la clé de la chambre D. Voilà, numérotée 51. Donc je vous les place là. C'est des objets qui sont perso, qui ne sont pas échangeables. C'est des objets qui resteront donc dans ta main. Ensuite, nous avons le petit jeune de l'histoire, c'est Jack Keening. Jack Keening, qui est un apprenti cuisinier, un chef, un apprenti chef plutôt, et eh bien qui s'intéresse à l'histoire culinaire, lui, de l'hôtel, et qui espère découvrir des recettes manquantes, puisque dans son inventaire, il a, lui, un livre de cuisine, mais donc il manque 4 pages, et lui aussi, le clé de sa chambre. Et pour jouer Jack, nous accueillons D10. Bonsoir D10. Bonjour à tous. Alors d'habitude, D10 a plus l'habitude de faire le MJ que de jouer. Donc il va falloir qu'il soit tolérant avec moi. Parce qu'en plus, c'est un MJ intransigeant. Enfin, Tu gentil, serais hein. sage comme une image. En tout cas, merci aussi de nous avoir rejoints pour cette soirée. Troisième personnage, vous avez donc Yu Heng Shu. Lui, il est enquêteur paranormal, il est médium, et il s'intéresse évidemment à ce côté un peu mystérieux de l'accident, et il dispose de deux objets toujours, qui est un prisme de verre et le numéro de la clé de la chambre F. You est joué par Rod, qui est également youtubeur et diffuseur sur Twitch, puisque nous faisons tous les deux partie du groupe de la Grande Taverne et qui organisait l'émission Au Comptoir, auquel j'avais la chance de participer. Bonsoir Rod. Bonsoir. Bon, par contre, ça fait longtemps que j'ai pas streamé ou quoi que ce soit. On Peut-être que ça te va prendre donnera l'excuse des envie, vacances. voilà, de repartir à la rentrée. Et Oui, j'espère certainement. effectivement qu'on aura l'occasion de refaire une émission à l'atome, ça pourrait être sympa. Oui. Et dernier personnage, eh bien nous avons Yolanda Greenway, qui est une architecte et qui s'intéresse à l'histoire, là cette fois-ci, de la construction du bâtiment et qui ne sort jamais sans son équerre. Enfin, alors bon, c'est peut-être un peu bizarre, mais je ne sais pas, je ne connais pas beaucoup d'architectes. Peut-être qu'effectivement, c'est une manie. Et la clé de la chambre G. Voilà. 56 et 57. Donc, chacun a ses objets de départ. Et après, vous voyez, je vais tout simplement. Donc là, les 4 premières cartes C1, C2, C3, C4, ce sont les cartes de personnages. Celles-là, je vais les mettre de côté. Je les ai numérisées, je n'en ai pas besoin. Vous avez ensuite toute une série de cartes un peu particulières qui interviendront dans des circonstances spéciales. Donc ça, je vais faire un tas spécial. Elles sont numérotées avec une lettre et un chiffre. Et ensuite, vous avez un tas de cartes qui sont des cartes d'objets, d'inventaire, qui sont numérotées de 10 à 84. Voilà, donc on va les disposer là. À chaque fois
que vous allez découvrir des objets, je regarderai, je piocherai dedans, ça sera indiqué et je vous les donnerai. Sachez qu'il est possible de combiner des objets entre eux. C'est tout simple, hein. Alors là c'est moi qui ferai et ça va fluidifier un peu, mais de manière générale, si vous voulez combiner deux objets ou un objet et un lieu dans une zone sensible, il suffit de coller les deux numéros. Supposons que le 10, ça soit, je sais pas, un coffre fermé à clé et que vous voulez tester votre clé de chambre, bah vous mettez 51-10 et dans le livret, vous allez vous reporter au paragraphe 51-10, voir s'il se passe quelque chose ou pas. Ensuite, on aura besoin des pions personnages. Alors, il y a des petits socles, et puis c'est tout. Le reste, je peux ranger. Je ne garde que... Alors, les deux jeux, bon, ça c'est pas nécessaire non plus. Je ne garde que les lieux. Donc là aussi, je vais faire une pile, hop. Et je vais commencer l'aventure avec le lieu A. Alors, on va commencer l'histoire, je vais lire, et je vais présenter ensuite ce lieu. Alors, on y va, et il va falloir que... Ok. Donc, vous arrivez à l'hôtel, et c'est Madame Fleureux, la propriétaire, Madame Fleureux qui est ici, la propriétaire qui accueille tout le monde dans la salle à manger de l'hôtel, une salle à manger somptueusement décorée. Hop, pardon. Voilà, donc, vous êtes dans la salle à manger, vous voyez qu'effectivement, il y a plusieurs choses à voir, ça je vous décrirai après. Et elle vous accueille avec un petit discours en nous disant « Mes chers hôtes, bienvenue à l'hôtel Abaddon. Je suis ravi de vous accueillir pour cette commémoration. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans cet édifice passionnant. » Sauf qu'au moment où elle vous tient ce petit discours, eh bien, les choses se passent. Vous entendez tantôt des hurlements, des cris, et puis d'un coup, les lumières s'éteignent et la porte se referme, vous bloquant à l'intérieur. Donc vous êtes tous les quatre coincés dans la salle à manger avec Madame Fleureux. Alors, qu'y a-t-il à voir dans cette salle à manger ? Alors, première chose, vous avez des tableaux au mur, trois tableaux que vous pouvez examiner. Vous avez le tableau électrique, également, la porte d'entrée, évidemment, enfin, entrée-sortie, la porte de la salle à manger, et puis vous avez deux tables sur lesquelles traînent encore des restes du repas du soir. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous, et... on va procéder en fait de tour par tour, où chacun à votre tour va pouvoir avoir deux actions, une pour se déplacer. Pour l'instant, vous n'avez pas encore de lieu, donc vous allez rester ici tant que vous n'aurez pas trouvé comment sortir de la salle à manger. Et puis ensuite, une action qui est de me proposer de regarder quelque chose ou d'utiliser un objet. Voilà. Vous pouvez utiliser aussi les objets, j'ai oublié, sur les personnages, hein, puisque les personnages ont aussi des numéros. Donc vous pouvez utiliser les objets entre eux, donc un objet avec un personnage, ou un objet avec une zone. On va commencer donc avec Suzanne, puisque c'est toi la première. Et maintenant que le calme est revenu, que veux-tu faire ? Je vais regarder dans les tableaux. Ok, donc il y a trois tableaux. Lequel veux-tu regarder ? Celui de gauche, celui du centre ou celui de droite ? Gauche. Alors, le tableau de gauche représente une photographie sur laquelle deux fillettes jouent dans le jardin de l'hôtel. Elles font semblant de se téléphoner en jouant avec des boîtes de conserve et une ficelle. Et la légende de la photographie indique « Jeu d'enfants dans le jardin de l'hôtel 1874 ». Donc c'était le tableau de gauche, où on voit deux petites filles en train de jouer avec des boîtes de conserve en guise de téléphone. Bien, alors maintenant c'est au tour de Jack. Voilà. Donc Jack, que veux-tu faire ? On a déjà perdu Jack. Ouais.
Ben moi je vais observer les assiettes parce que. Alors il y a deux tables. Il y a la table de gauche et la table de droite. Toujours à gauche. Toujours à gauche. Alors sur la table de gauche, trône un beurrier ornementé. En l'ouvrant, vous découvrez un petit cadeau de couteau à beurre et vous prenez la carte 11. Donc voilà, tu as trouvé un couteau à beurre sale que j'ajoute à ton inventaire. C'est toujours utile. C'est toujours utile. Ensuite, Yu, que veux-tu faire ? Oui, j'étais un peu dissipé, du coup, j'ai pas fait attention au truc, désolé. Alors, il y a trois tableaux, le tableau électrique, la porte, qui est coincée, du coup, qui est quand même ce qu'il va falloir essayer d'ouvrir, et deux tables. Donc, Cherquet a regardé le tableau de gauche, où il y avait deux fillettes, et Jack a trouvé un couteau à beurre sur la table de gauche. Je pense que je vais regarder un autre tableau. Donc il reste le tableau du centre et le tableau de droite. On va regarder le tableau du centre. Ok. Alors, sur ce tableau, c'est également une photographie en fait. Ce tableau, c'est des photographies qui sont accrochées au mur. Et la photographie montre la salle à manger, le lieu même où vous êtes. On y voit de nombreux invités, tous vêtus dans l'élégant style des années 1870. Il y est écrit « Félicitations pour votre mariage » sur la banderole accrochée au-dessus du banquet. Et voilà. Donc c'est la photo d'un mariage, d'un banquet qui a eu lieu à l'hôtel Abaddon, au siècle dernier. Et il reste Yolanda pour ce premier tour. Alors Yolanda, chère architecte. Oui. Que veux-tu faire ? Ah bah, je vais faire original, je vais regarder le dernier tableau. Ok. Alors, ce dernier tableau représente une photographie aussi, parce que c'est des tableaux, c'est des photos. Elle représente le clocher de l'hôtel avant l'incendie. De nombreuses personnes sont rassemblées devant la bâtisse pour un mariage. Sous le cliché, un panneau indique « Mariage de Monsieur Lucien F. » et de Madame Gersand P. 1872. Voilà. D'accord. Donc là, vous voyez, on a fait un tour, et c'est pas plus compliqué que ça. L'idée, évidemment, c'est que c'est coopératif, donc n'hésitez pas à échanger aussi entre vous. Vous avez le droit aussi, dans votre action, d'échanger des objets si vous êtes dans la même pièce. Hein, vous pouvez très bien vous passer les objets de l'un à l'autre. Voilà. Donc on repasse à Suzanne. Ouais. Regardez le tableau électrique. Le tableau électrique. Alors, tu t'approches. C'est pas ça, j'ai pas un tableau électrique. Si, c'est ça. Donc, c'est le tableau électrique où se trouve les interrupteurs en pièce du rez-de-chaussée. Mais Madame Pleureux vous empêche de passer. Disons que. Autre chose à faire. Donc c'est un tour pour rien. Bah, au moins, tu sais que voilà. Jack. Jack. Ouais, excusez-moi. Elle a essayé de regarder le tableau électrique, mais Madame Fleureux l'a empêché et lui a dit de ne pas toucher à ça. Je voulais simplement préciser que je pouvais partager mon couteau à beurre avec qui le souhaitait. C'est très généreux de ta part. Donc avec ce petit coup de poing, je vais... je m'en doute. Et avec ce petit couteau à beurre, je retourne délicatement les dernières fictuailles sur l'assiette de droite. Ok, sur l'assiette de droite. Alors, sur la table de droite, en fait, tu examines la table et... je vérifie, comme ça aussi, hein. L'assiette de fruits est presque vide et il ne reste plus qu'un citron à côté d'une serviette en tissu plié. Donc, prenez les cartes aventure 16 et 28. Donc, tu as trouvé un citron. Et une serviette en tissu. De fait. Voilà. Donc, une serviette en tissu. Et un citron juteux. Que
Dungeon Alert également. Voilà, tiens, ça commence. Tu peux presque faire. Il manque encore un peu des choses, des ingrédients, mais on commence. Très bien. Alors, Lu. Oui. Que veux-tu faire? Donc là, vous avez. De l'autre table. Alors, l'autre table, c'est la table où il y avait le couteau à beurre. C'est un très d'un beurrier. Du coup, il reste quoi? Bah, il reste le beurrier, mais il n'y a plus de couteau à beurre. Le beurrier, il n'y a plus de couteau à beurre. Et il n'y a plus de beurre dans le beurrier. Si, mais c'est pas la peine de se trimballer avec, avec du beurre dans la poche. C'est pas une bonne idée. Et bah non, mais. On peut faire des tartines s'il y a du pain. Ah, il n'y a pas de pain. Non, il y a juste un beurrier. C'est vrai que si vous êtes coincé, à un moment vous commencerez à avoir un peu faim et ça pourrait être intéressant d'avoir un peu de pain et tout. Bah oui. D'où l'intérêt de trouver la sortie assez vite. Oui, il faut qu'on sorte de là. Et la porte, personne n'a été voir la porte. Pour l'instant, personne n'a vu la porte. C'est quoi non. Il faut qu'on ouvre la porte. Déjà, bah, ça serait un peu l'idée. Moi, ça paraîtrait. Pour sortir, ça paraîtrait une idée cohérente. Et personne n'a bêtement essayé de l'ouvrir parce que sinon, elle est pas fermée. Alors, déjà, on va la regarder. Du coup, la porte n'a pas de verrou ni de trou de serrure. Vous devriez pouvoir la pousser sans problème. Impossible cependant de l'ouvrir d'un millimètre. Elle n'arrive quasiment pas à s'écarter. Donc la porte reste. Et y a pas un interrupteur à côté ou quelque chose. Y a pas de... Enfin, en tout cas, s'il y a un interrupteur sur le tableau, vous pouvez pas y accéder. Parce que Madame Fleureux ne souhaite pas que vous touchiez un peu à tout. Donc voilà, donc la porte est fermée. On peut pas demander à Madame Fleureux d'aller chercher des tartines. Elle est coincée avec vous. Elle est coincée avec vous. Ah merde. Elle a pas l'air de paniquer non plus. Ouais. Bah, c'est une personne de grande classe. On est très flegmatique. Alors du coup, c'est très british. Yolanda, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, avec mon tact habituel, j'aurais bien essayé de défoncer la porte à coups de couteau à beurre, mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Alors il faut demander la permission à Jack. Peut-être qu'on pourrait glisser le couteau à beurre dans la petite vis. L'interstice, voilà. Alors, est-ce que Jack, tu passes le couteau à beurre à Yolanda? Ouais, mais attention, hein, il faut me le rendre entier. Alors, je passe le couteau à beurre ici, et voyons voir ce que ça fait. Alors, tu essayes effectivement, c'est une bonne idée de passer la lame dans l'interstice entre les portes, puisque c'est une porte à double battant. Sauf que, bah, il glisse. Tu fais pression, mais il glisse, ce couteau à beurre sale. Et donc, tu n'arrives pas à... Ah, tu n'as pas de prise, en fait. Tu n'arrives pas à ouvrir. Voilà. Alors, Suzanne, feras-tu mieux? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas vues? Non. Vous avez regardé les trois photographies. Vous n'avez pas pu accéder au tableau de l'effet qui fait que vous avez tenté. Et puis sinon après vous avez les deux tables que vous avez à faire. Alors je sais pas, mais est-ce qu'on peut combiner le couteau à beurre sale du coup avec la serviette pour la nettoyer? Vous pouvez faire, donc là vous pouvez demander au respectif. Ça marche, on fait ça? Ouais, bah vas-y Jack, fais pas ton nom. Alors, c'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui ai. Voilà, c'est moi qui ai tout looté. Donc là, en termes de jeu, hein, c'est très simple, on prend les deux numéros, donc ici 16 et 11, et puis on va regarder ce que ça fait. Alors en fait, bah, ça nettoie le couteau à beurre, puisqu'effectivement, le couteau à beurre est encore plein de beurre sur son tranchant, enfin son tranchant, en tout cas sur sa lame, et ça permet de nettoyer. Donc vous allez récupérer, donc il faut que je vois le numéro de la carte, on se voit 17, je pense, 12. Ouais, c'est ça la sagesse d'une vieille historienne. C'est ça. On sent surtout le côté pratique. Tu as une carte couteau à beurre propre. Exactement. Donc, vous vous servez. Donc, excellent. 17, exceptionnel. 16, 17, voilà. Donc on va ranger le couteau à beurre sale qui disparaît du jeu.
Alors c'est pas un jeu Legacy, c'est au niveau de réalisme. Mais maintenant vous avez un couteau à beurre propre. Voilà. Et donc c'est au tour de Jack. Alors Jack, maintenant que tout le monde t'a piqué tes objets, que vas-tu faire? T'as le droit de les récupérer. Mais moi j'espérais, je sais pas si on m'entend bien, j'espérais prendre le couteau à beurre et dévisser les vis de la serrure, faire tomber la poignée et peut-être ouvrir la porte. Alors tu peux retenter du coup effectivement le couteau à beurre sur la porte. Alors, il n'y a pas de gond ou quoi que ce soit visible, mais tu peux essayer de glisser dans l'interstice comme précédemment. La seule chose, c'est que là, c'est le couteau qui plie, parce que la lame n'est pas assez solide. Il faudrait quelque chose de beaucoup plus solide que ça pour faire pression et réussir peut-être à ouvrir enfin ces satanées portes. Il faudra faire un test de toc la prochaine. Donc voilà, ça ne marche pas parce que tu plies le couteau à beurre. Alors, Yu. Du coup, on a un couteau à beurre que tu lis. Alors, il n'y a pas de carte, non, il n'y a pas de carte couteau à beurre propre plié. On plie une carte alors. En fait, il y a 8 cartes, il y a juste pour le couteau à beurre. Hein. Ah, bah, super. Alors, Yu. Qu'est-ce que tu veux tenter? Alors moi, sur le coup, je me disais peut-être qu'on pourrait lancer le citron sur la porte, enfin, le jus de citron sur la porte pour la faire fondre. Et je me suis dit que c'était peut-être un peu bête. Par contre, est-ce qu'on peut mettre du jus de citron dans les yeux de celle qui garde le tableau? Ah, j'y ai pensé aussi. Pour la faire partir, nettoyer les yeux. Vous n'êtes pas très gentil. Hein. Alors, du coup, elle vous voit arriver et elle vous fait des yeux sévères. Et là, clairement, vous vous dites que c'est pas une bonne idée. De quoi? Bah, au moment où tu essayes ça, elle te voit arriver de loin, en fait, parce que évidemment c'est pas très discret d'avoir ton citron à la main, et elle commence à vous faire les gros yeux, et elle vous dit de poser ça tout de suite, et là vous dites que non, finalement, si vous voulez rester, passer le séjour ici, bah, vous allez peut-être pas l'agresser dès le premier soir. Et du coup, c'est à Yolanda. Alors Yolanda, que veux-tu faire? Là je suis un peu coincée. Faudrait quand même ouvrir cette satanée porte. Et les objets que mes compagnons possèdent Alors vous avez tous vos objets individuels. Et puis donc à chaque fois, donc toi en l'occurrence c'est l'équerre plus la clé de ta chambre. Chacun vous avez tous une clé de chambre. Et ensuite, la serviette en tissu, le citron et le couteau à beurre. Mm-hmm. Ce qui serait bien, c'est effectivement d'avoir quelque chose de plus solide que le couteau à beurre. Et ton équerre, ça peut pas servir, justement. Bah, elle est en quoi, l'équerre? Elle a plutôt l'air d'être en bois. Hein. Ah, mince. Ça m'embête. Oui, elle est en bois. Après, tu peux tenter, hein. Ah oui, mais je vais la casser si je fais ça. À toi de voir si tu prends le risque ou pas. Allez. Tu tentes ? Alors ? Je tente de la passer dans l'appart. Très concentré, vous introduisez votre équerre dans la rainure de la porte et vous appuyez dessus pour faire levier. L'équerre se tord et émet un léger craquement, mais la porte ne bouge pas d'un millimètre. Mieux vaut arrêter là, car vous risquez de briser votre précieuse outil de travail. Donc elle n'est pas cassée, mais ce n'est pas la bonne solution. Ne tente rien, ne rate rien. Exactement. Alors, Fulane, vous inspirez comment ouvrir ce cercle de porte? Pas de masse. Donc, on a regardé les trois tableaux, c'est ça? Oui. Le tableau électrique, il ne veut pas à nouveau s'y aller. La porte ne s'ouvre pas. Et les tables ont été vues. Vous avez fait le tour de la pièce et effectivement, il n'y a rien d'intéressant. Il y a un numéro sur la dame ou pas?
Oui. Effectivement, elle a discuté avec la dame. Bon, bah allez, on va discuter avec la dame. Choses, mais... Voilà, donc là, en fait, si vous ne... Pour, par exemple, tout à l'heure, avec le citron, ça provoque une action. Là, c'est juste qu'elle... Je veux dire qu'on lui a même pas encore dit bonjour et j'essaie déjà de lui mettre du jus de citron dans les yeux. Exactement. Là, du coup, elle vous dit que de ne pas se vous inquiéter, que les choses vont probablement revenir à la normale très vite que vous allez pouvoir sortir, voilà, de garder votre calme et que vous allez pouvoir sortir bientôt. Ok, elle a rien d'autre de plus intéressant à nous dire, quoi. Bah, elle essaye de... Visiblement, vous voyez qu'elle est nerveuse, mais elle essaye de ne pas le montrer et elle essaye de garder son calme, quoi. Uh-huh. Ok. Alors, du coup... Bon courage pour les autres. Jack. Qu'est-ce qui pourrait faire céder cette foutue porte ? Bah, je me posais la question entre le tableau électrique et les tableaux machin, avec le citron, il n'y avait pas une espèce de... C'est quoi le tableau électrique exactement ? Bon, c'est juste un tableau électrique tout bête, hein, avec les interrupteurs pour l'éclairage. Et il est encore actif ou... Ah bah oui, là, les lumières sont revenues, oui. Donc la porte, elle est pas reliée au tableau électrique. Vraisemblablement non. Et la porte semble coincée et effectivement, quand vous avez essayé avec le tableau à beurre et les cœurs, vous sentez que vous faites pression, mais que vous n'avez pas la force nécessaire en fait avec ces ustensiles pour faire bouger la porte de manière correcte. Il vous faudrait quelque chose de plus résistant. Ouais. Et on a fait tous les numéros. Bah vous avez pas utilisé tous vos objets, non ? Bah la serviette on l'a pas utilisée, mais je vois pas ce qu'une serviette. On peut frotter la serviette sur la porte, peut-être qu'au bout d'un moment elle va s'ouvrir. Hein. C'est peut-être comme les lampes. Moi je me posais la question de est-ce qu'on peut pas ruiner un tableau en frottant du sur un tableau ? Est-ce que ça ferait pas apparaître un message ? C'est l'inverse d'habitude, c'est le citron qui sert d'encre invisible. Ah merde. Et on passe une bougie à côté en fait. Ah ouais, c'est l'inverse. Bon, bah c'est tout alors. La priorité est quand même de sortir de la pièce. Oui, que faire avec mon guide du routard. Avec, tu veux, je sais pas, alors là il passera pas dans l'interstice entre les portes, hein. C'est sûr que là c'est pas possible. Ouais, parce que en fait, on peut pas prendre une chaise et l'envoyer contre la porte. Ah non, là, Madame Fleureux va pas être très contente. Vous voyez son sourcil. Si tu commences à soulever une chaise, tu vois son sourcil qui se lève également et tu reposes la chaise aussitôt. Peut-être le sourcil sur la porte. Et est-ce qu'on peut pas juste défoncer la porte avec à 4 là avec... Mais avec quoi ? Ah oui, en fonçant dessus. Ou 4 pôles. Non, parce que vous, alors, dans le jeu, vous avez pas de numéro. À l'ancienne. Il faut vraiment faire avec des objets ou avec des interactions licites, on va dire. Qu'est-ce qu'il vous reste sur les tableaux ? On avait deux petites filles, un mariage, c'était quoi le troisième ? Le clocher. Il y a trois dates différentes. Oui, il y a deux petites filles qui jouent à se téléphoner avec des boîtes de conserve, il y a un banquet, et il y a le clocher. Oui, il y a le clocher. Après, vous pouvez essayer de revoir les tableaux, hein, enfin les photographies si vous voulez. Jack, du coup. Ah. Ouais, ben... Il y a quelqu'un qui a bien observé la porte. Oui, oui. La porte, voilà. Il n'y a pas de serrure, il n'y a pas... Il y a une serrure avec des clés. Est-ce que les clés de nos chambres ne peuvent pas rentrer dans la serrure de la porte ? Il n'y a pas de serrure à la porte. Ah, il n'y a pas de serrure. Bah oui, je... Alors, attends. Le tableau électrique, est-ce que je peux pas le revoir ? Pas tant qu'il y a Madame Fleureux devant. Tu peux t'avancer, tu peux essayer, mais il va falloir être gentil pour la fois. Ah, en plus elle veut lutter.
Bah, disons que sa présence et son sourcil suffisent. Ouais, voilà, suffisent. Et même armé d'un citron, ce n'est pas suffisant. Et d'un couteau à beurre. Ah ouais. J'ai l'impression d'être Lara Croft dans Tomb Raider 2 et... qui heurte un mur invisible. Est-ce que je peux regarder le premier tableau qui avait été observé? Les petites filles. Mais je l'observe mieux. Alors, tu observes effectivement à nouveau le tableau qui avait été regardé par Suzanne. Mais tu ne vois pas de détails supplémentaires qui pourraient t'intéresser, qui seraient en mesure de t'intéresser. Ces petites filles qui jouent ont l'air tout à fait normales et banales, et ce n'est pas vraiment ton champ d'expertise. D'accord. Pas une petite algue à pouvoir cuire. Avec un petit bout de tentacule, un truc comme ça. Rien d'indice particulier sur la photo des petites filles qui jouent. Ce qui est un peu logique, elles sont pas en train de manger non plus. Elles sont en train de jouer. Voilà. Alors, Yu, est-ce que du coup, ça se tente à laisser un peu une inspiration On peut pas retourner les tableaux Là, c'est pareil, en fait. Vous pouvez regarder les tableaux, mais Madame Fleureux s'approche rapidement de vous et vous dit de laisser ça tranquille. Faut pas toucher photographie. Elle est pas commode, hein. Ah non, pas très. C'est la patronne du lieu, hein. Il faut gérer tout son petit monde. C'est une femme forte. C'est quoi mon objet, moi, déjà, avec ma clé, là? T'as un prisme. Donc, tu as la clé avec son porte-clés et le prisme. Si je regarde au travers du prisme, je vois rien dans la pièce. Alors, tu peux essayer. Tu regardes quoi, du coup? La pièce. La pièce, non. Quel élément de la pièce? La porte. Alors, tu regardes au travers et il n'y a rien de particulier. La porte n'émet pas de lumière et donc le prisme ne te permet pas véritablement... C'est juste un peu bête. Voilà. Du coup, Yolanda. J'aurais bien aimé voir s'il n'y avait pas un message caché quelque part, mais alors on ne peut pas retourner les tableaux, donc ça c'est fait. Votre objectif c'est d'ouvrir la porte, hein. Je répète, pas chercher à vous compliquer. Bah oui, mais je vois pas avec quoi l'ouvrir là. Parce qu'il vous reste. Les tenter avec le couteau. Ce qui vous reste dans vos inventaires. Pensez à ce qui vous reste dans vos inventaires. Jack et Suzanne, qu'est-ce que vous avez? Je crois que j'ai une montre, une clé, une serviette sale maintenant. J'ai un guide du routard, moi. Ah oui, ça va pas être très utile. Bah, comme ça, ça paraît pas très utile. Personne n'a un briquet, on pourrait faire prendre un peu le guide. Il vous fait du un routard, objet solide. Un objet solide pour pouvoir fracturer la porte. Et avec les clés, est-ce qu'on peut essayer de les glisser? Alors, vous pouvez essayer, vous m'avez pas proposé en tout cas. Pour l'instant, vous avez pas tenté. Moi, j'ai envie de glisser un peu la clé pour voir si ça peut fonctionner. Ok, donc tu glisses en fait le porte-clés métallique dans la fente et ça réussit à passer. Tu fais pression, mais la porte s'entrebâille sans réussir à s'ouvrir véritablement. Visiblement, t'es pas assez forte à toi toute seule pour pouvoir réussir à ouvrir la porte. Donc, mais tu fais pas tous nos porte-clés? Bah oui, on a 4 porte-clés. Bah déjà, Suzanne. Non, c'est ton tour. Donc. Je rajoute mon porte-clés. Ok, donc là, vous butez à deux. Et en appuyant fortement sur les porte-clés, effectivement, là, ça cède. Et vous réussissez enfin à ouvrir cette petite porte et vous pouvez donc passer dans la réception. Donc derrière la salle à manger, vous avez la réception dans laquelle se trouve un nouveau personnage. Et Madame Machin, là, nous, elle reste même pas de l'avoir sauvée, quoi.
Alors, non, elle vous dit, bah vous voyez, ça, je vous avais bien dit que ça allait s'ouvrir, que tout allait revenir à la normale, et elle vous souhaite une bonne soirée. Elle reste, elle, dans la salle à manger. Donc, je vous décris rapidement la réception de l'hôtel. Donc, la réception de l'hôtel est décorée dans le style Art Nouveau. Un escalier en colimaçon mène aux chambres à l'étage. Hop, donc on voit l'escalier à gauche. Le livre d'or est ouvert sur le comptoir. Les clés des chambres sont rangées dans des étagères et des casiers sur le côté. En face de vous, vous voyez l'entrée principale de l'hôtel, donc c'est la porte 407. Et à la droite, vous remarquez un vieux piano sur lequel est posé un buste. À votre droite, un petit couloir mène au bar de l'hôtel, c'est 707. Et vous avez un lustre richement ornementé qui illumine la pièce et qui est au plafond. Lorsque vous arrivez à la réception, vous apercevez une personne derrière le comptoir qui lève les yeux vers vous. Il s'agit de Jérôme, le concierge. Donc, je vais le mettre là, hop. Il tremble de tout son corps et il vous dit « Avez-vous entendu ces bruits inquiétants ?» Et la porte de la salle à manger, elle a claqué d'un coup. Ensuite, la porte d'entrée a fait pareil. Qu'est-ce qui se passe ici ? Lorsque Madame Fleureux perçoit sa voix, elle s'exclame depuis la salle à manger « Jérôme, espèce de froussard, pourquoi n'êtes-vous pas venu nous aider à sortir ?» Voilà. Donc, vous pouvez passer, hop, ici, parce que vous avez réussi à ouvrir, et vous êtes dans le lobby de l'hôtel, dans la réception de l'hôtel. Voilà. Alors, du coup, c'est à... Non, Jack, pardon. Alors, Jack, que veux-tu faire ? Eh ben, je vais aller discuter avec ce brave bonhomme. Avec Jérôme ? Ok. Avec Jérôme. Alors, attendez, je change la musique. Et... Hop là. Alors, Jérôme a l'air encore plus apeuré, enfin a l'air apeuré et de garder beaucoup moins bien son calme que Madame Fleureux. Et malgré tout, il vous souhaite la bienvenue à l'hôtel Abaddon en espérant que vous allez passer un agréable séjour. Mais il ne semble pas avoir grand chose à vous dire sinon. Ah, je lui dis merci. Courage. Péter, hein, le petit personnage. Il vous souhaite de passer une bonne soirée. Alors, Maître Yu. Oui, moi je regarde le buste. Le buste. Donc il est posé sur le piano. Alors, le buste en marbre représente la tête d'un homme. La légende indique Sir Hugo Bernard, 1771-1849, constructeur de l'hôtel Abaddon. Voilà. Tu ne connais pas plus ce personnage, mais évidemment tu comprends pourquoi son buste est ici. C'est lui l'architecte qui est à l'origine de cet hôtel, de ce bâtiment. Yolanda, toi l'architecture c'est oui, ton rayon. Moi j'aimerais beaucoup aller regarder les clés dans les armoires. Alors, Jérôme sert quand même à quelque chose et fait obstruction en vous disant que vous avez déjà les clés de vos chambres et que vous n'avez pas à accéder à cette partie de l'hôtel. Enfin, à cette partie du bureau. Oh, crotte. Voilà. Suzanne. Eh ben, je vais voir le piano. Regardez le piano. En regardant de plus près, le piano s'avère en fait un ancien piano-là. Clavier mécanique qui joue la musique tout seul. Il suffit d'insérer un rouleau de musique perforé pour profiter d'un joli morceau. Ensuite, le Jack. Jack, au-dessus du piano, il y a quoi ? Un buste. Le buste de l'architecte. Personne l'a fait ça. Hein. Si. Juste à côté, la porte alors. 407, ok. Donc c'est la porte principale de l'hôtel, si je dis pas de bêtises. Et la porte de l'hôtel ne s'ouvre pas, c'est comme si une force invisible la maintenait fermée. Pour l'instant, vous êtes bloqué à l'intérieur de l'hôtel. Vous avez réussi à sortir de la salle à manger. Mais... maintenant.
vous êtes bloqué de... dans l'hôtel. Bon, donnez vos clés. Alors, du coup, Yu. Je regarde le buste. Le buste, le chandelier. Le chandelier, 807. Ok, alors, tu regardes le chandelier donc, qui est accroché tout en haut du plafond. Un imposant lustre composé de trois bougeoirs, l'un en forme de chèvre, l'autre en forme de poisson, et le troisième en forme d'oiseau. Bizarrement, le style simple et élancé des bougies blanches qui s'y trouvent ne se marie pas très bien avec ce lustre très ornementé. Il y a la décoration un peu originale. Yolanda. Est-ce que je peux m'approcher de l'escalier et regarder ce qu'il y a... Tu peux même monter dans l'escalier. Plus en détail. Je peux monter dans l'escalier. Ah, oui, bah allez, faisons. Là, il n'y a pas de porte, là. Non. Alors, ce bel escalier en colimaçon mène aux chambres des hôtes. Et donc, vous accédez à l'étage. Non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà, hop. Donc, vous avez les quatre chambres qui sont accessibles. Je vais décaler un peu. Les chambres soient visibles. Je décrirai les chambres au fur et à mesure que vous irez. Donc là, vous avez la chambre D, la chambre E, F et G, hein, qui correspondent aux chambres que vous avez sur les clés. Donc la chambre D a été attribuée à Suzanne, la chambre E a été attribuée à Jack, la chambre F a été attribuée à Yu et la chambre G a été attribuée à Yolanda. Voilà. Donc dans quelle chambre veux-tu aller ? Toujours moi ? Oui. Bah, je vais aller dans ma chambre, moi, du coup. Donc la chambre avec G. Les clés. Ok. C'est ça. Et hop, fin de l'enquête. Et quoi ? Alors du coup j'ai. Et hop, fin de l'enquête. Fin de l'enquête. C'est bon, j'ai trouvé ma chambre, je dors. Alors, je vous montre la chambre. Hop. Dès l'arrivée dans la pièce, vous vous sentez submergé par l'opulente décoration. C'est un peu chargé, si vous voyez. Le sol est constitué de carrelages colorés, donc on peut regarder. À droite du lit se trouve une coiffeuse. Au niveau de la fenêtre, d'exubérants rideaux de velours sont à moitié ouverts. Et sur le mur du fond, diverses bouteilles pleines sont disposées sur une étagère. Enfin, une radio trône sur la commode en dessous. Voilà. Alors, on va passer à Suzanne. Alors, Suzanne, que veux-tu faire ? Est-ce que tu peux me préciser les numéros qui n'ont pas été vus dans le hall ? Alors, dans le hall, vous n'avez pas regardé le livre d'or et vous n'avez pas été voir le couloir qui mène au bar. Je vais regarder le livre d'or. Ok. Alors, le niveau d'or. Donc, le vieux niveau d'or relié en cuir, plusieurs dessins en arrière, vous feuilletez les pages et imaginez toutes les personnes qui ont séjourné ici. Sur l'une des pages, plusieurs noms ont des sonorités intéressantes et vous décidez de les noter. Donc, tu prends une carte avec le nom qui t'ont semblé intéressant dans le livre d'or. Alors, il s'agit de juin 1870 et est résidé à l'hôtel pendant cette période Arthur Boissé, Gerstrand Poulet et Vladimir Kinski. Le sacré nom quand même. Voilà. voilà, et donc c'est à Jack, effectivement, maintenant. Alors, que veux-tu faire ? Ben, je vais aller donc. Dernier numéro, donc au bar. Donc tu vas aller au bar, donc effectivement. Hop. C'est. Voilà. Donc tu arrives au bar. Alors, pareil, je vais vous montrer la carte. Hop, pardon. Non, je suis un peu dans mon sens. Voilà. Hop. Alors, je vais essayer de faire le point. Ouais, ça va à peu près. La décoration du bar de l'hôtel sort de l'ordinaire, tout y est baigné d'une lumière tamisée. Des murmures proviennent de l'alcôve, masquée par un paravent sur votre gauche. Le barman se tient derrière le comptoir, à droite se trouve l'encadrement d'une grande porte. Vous voyez des fauteuils confortables,
et quelques tables basses. L'une des tables a une forme intéressante dans le coin en bas à droite, et dans un coin sombre, au fond de la pièce, vous observez une console. Pas une console de jeu, une console au sens de petite table, une tablette. Voilà, donc vous avez une alcôve à gauche, cachée par des paravents, d'où viennent des bruits. Ensuite, vous avez la porte à droite, vous avez la console au fond, à côté du bar, là où se trouve le barman, et vous avez deux tables, une avec des fauteuils et une avec une table intéressante. Voilà, alors du coup, c'est Jack. Jack, il va aller s'asseoir au bar, parler au 211. Alors, bah, tu crois que si je monte, il peut faire un mojito. Bon, pour l'instant, t'as pas encore les ingrédients. Alors, on va. Ah, bah, j'espère bien qu'il les a, lui. On va faire Yu d'abord. Il a déjà le citron, hein. Alors, Yu, qu'est-ce que tu veux faire? Moi aussi, je vais au bar. Tu vas au bar. Alors, du coup, là, qu'est-ce que tu veux faire au bar? Je vais regarder la table intéressante. Ok, tu regardes la table intéressante. En vous approchant de la table, vous remarquez qu'elle est constituée d'un seul bloc de pierre. Un motif semble avoir été gravé dessus. Vous repérez trois lignes, mais vous êtes bien incapable de dire quelle forme elle représente. Alors ensuite, Yolanda. Que veux-tu faire ? Toujours en haut, du coup. Oui. Mais t'as le droit de te déplacer. Hein. Là, vous avez le droit de changer de lieu, et puis après, ou de faire une action. Est-ce que je peux fouiller dans le tiroir de la coiffeuse ? Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, tu peux regarder. Ce que je vais faire. Ça peut être 514, je crois. Alors... Non, ça, c'est la radio. La coiffeuse, c'est quoi, alors ? Alors, cette coiffeuse a sans doute déjà vu passer de nombreux autres qui se sont coiffés ou maquillés avant de se rendre à une fête. Bon, ça, c'est une façon de dire que l'hôtel a beau être classe, il a quand même vu passer beaucoup de gens et qu'il a connu des jours meilleurs. C'est tout ? Oui, c'est tout. Je suis déçue. Suzanne. Je vais monter aussi, et je vais aller voir ma chambre. Ta chambre, c'est la D. Alors, je vais monter chambre. Hop là, la chambre bleue. Cette chambre est certainement la plus vieille de l'hôtel. Elle ne semble pas avoir été redécorée depuis de nombreuses années. Un immense miroir domine la pièce. Droite. En dessous se trouve une vieille commode, une épaisse corde d'appel pend du plafond, juste à côté du lit. Sur le mur du fond est accrochée une étagère, sous laquelle se trouve un gros coffre-fort métallique. Voilà. Ok, j'ai la plus vieille chambre parce que je suis la plus vieille du jeu, c'est ça ? Bah, ça doit être ça, ouais. Ils ont dû faire en adéquation. Alors, que veux-tu faire dans ta chambre ? Garder le lit, là, je sais pas trop ce qu'il y a dessus, mais... Ok. Donc, en fait, c'est pas le lit, c'est la corde. Donc, à côté du lit, pend une corde. Et cette corde permet généralement d'appeler le service de chambre. Est-ce que tu veux tirer la corde ? Non. Non ? Ok. Enfin... Ah, si. Peut-être que ça fait venir l'autre, et du coup, ça laisse l'accès aux clés. Bon, je ne sais pas quelle raison. Alors, du coup... Allez, on va tirer la corde, on verra. Donc, effectivement, Jérôme débarque dans ta chambre et te demande ce que tu veux. Ah. Voilà. Alors, Jack. Je vais le pipoter. Mais Jack, il a pas eu son verre, donc le 201, il y avait rien. Ah, tu veux parler... tu veux parler au barman. Alors, le barman se trouve derrière le comptoir, occupé à astiquer des verres. Il semble quelque peu morose, et lorsque tu l'interroges... Tu lui demandes quelle est la spécialité de la maison. Il soupire et vous répond. C'est le chef barman qui devait accueillir les convives et leur servir le célèbre cocktail de la maison, l'ivresse d'Abaddon. Mais il est malade et il pourra pas venir. Malheureusement, c'était le seul à connaître la recette du cocktail. Vous voulez un verre de vin ou du spiritueux à la place, c'est tout ce que je peux vous proposer. Voilà, donc il a un peu ses problèmes puisque il a pas son chef. Il pourra pas faire le cocktail. Donc il sait pas faire tout seul.
Voilà, donc il y a bien une histoire de cocktail. Alors, Yu. Ça va faire un peu bizarre du coup, mais je peux revenir dans le lobby et piquer toutes les clés. Alors, tu peux venir dans le lobby et effectivement regarder les casiers. Alors du coup, la voie est libre et Jérôme est absent. Donc vous emparez les clés qui se trouvent à l'étagère, mais en fait vous les avez déjà. Par contre, tu trouves également la clé 4... une clé ouvragée, une petite clé. Et donc qui va aller dans ton inventaire. Donc les, en plus des clés de chambre, vous avez récupéré la petite clé. Voilà. Alors du coup, Yolanda. Eh bien moi je vais redescendre et prendre cette petite clé. Ouais. Essayez d'ouvrir le coffre-fort qui est dans la chambre de Suzanne avec. Ok, alors du coup... À moins que ce soit avec un code. Hop, je change. Deux changements de lieu. Alors, tu vas regarder effectivement le coffre-fort déjà. Alors, le grand coffre-fort en métal massif semble extrêmement vieux et solide. Est-il possible qu'il renforme encore quelque chose? Le coffre est fermé par une serrure à combinaison qui nécessite un code à 4 chiffres. Si vous avez découvert le code, eh bien, on pourra aller... l'ouvrir. Donc là, effectivement, la petite clé ne sert à rien. Donc, je l'ai remise... Bon, allez, non, je te la laisse. T'as pris la clé. Ok. Suzanne. Tu peux me dire ce qu'il reste dans la chambre où je suis? Alors, il y a un grand miroir à droite. Un droit miroir à droite. Le coffre. L'étagère au-dessus du coffre. Et la commode en dessous du miroir. Étagère. Tu trouves tout un tas de babioles sur ces étagères poussiéreuses, mais pas grand chose d'intéressant. Votre regard s'arrête finalement, ton regard s'arrête maintenant sur la couverture de la ville, la chasse aux esprits, le nouveau sport. Ok. Donc c'est un livre qui ne t'intéresse pas particulièrement. Oui. En tant qu'historienne, bien évidemment. Voilà, puisque là ça parle un peu d'ésotérisme, c'est pas ton rayon. Alors, Jack. Bien, tu avais parlé d'un petit paravent à gauche. Oui. D'où proviennent des murs de fer. Je vais aller le des. Ok. Donc tu te diriges vers l'alcôve dans le coin de la pièce, en vous y attendant à trouver d'autres hôtes, mais il n'y a personne. Vous entendez pourtant toujours un bruit de conversation étouffé. Les voix semblent provenir de l'autre côté du mur, mais c'est impossible. Ce mur donne sur l'extérieur et il n'y a aucune pièce de l'autre côté. Étrange. Si seulement vous pouviez comprendre ce qu'il se dit, comment faire pour amplifier le son de ses voix? Yu. Du coup, je retourne dans le bar et je vais voir la console. Ok. Alors, la console, c'est le 600. Ouais, ok, la console du fond. Alors, vous rassemblez votre courage et vous aventurez jusque dans le coin le plus sombre de la pièce. Sur la console, vous trouvez une rose jaune. Vous décidez de la garder et le barman vous lance un sourire. Allez-y, prenez-la, ça plaît aux dames. Ça va draguiller dur dans l'hôtel. Donc, tu as trouvé une rose. C'est... Hop. Un joli cadeau à faire, Renda. Yolanda. Que reste-t-il dans la chambre de Suzanne? Il reste le miroir et le buffet, enfin le meuble qui est en dessous du miroir. Je vais aller regarder le meuble. À première vue, le miroir semble tout à fait normal, mais en le regardant de plus près, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Alors, du coup... Un chantier, la pluie, des ouvriers construisant de solides fondations en pierre dans un soubassement. Soudain, le point de vue change et vous observez le chantier du dessus, les fondations ont une drôle de forme, on dirait presque une étoile. Et vous vous retrouvez à nouveau devant le miroir.
C'est donc cela qu'évoquait votre arrière-grand-mère lorsqu'elle parlait des étranges plans de l'édifice. Voilà. Donc en fait, en regardant dans le miroir, tu as une vision. Et la grand-mère, oui, j'ai oublié de dire, la grand-mère en fait a participé à la construction de, a participé à la construction d'hôtel. La grand-mère de Yolanda. D'accord. Suzanne. Donc ce miroir, il y avait un meuble sous miroir, oui. C'est ça? C'est ça que si c'est possible de regarder. Ok, donc tu fouilles un petit peu la commode et dans un des miroirs, tu fais un objet insolite. Ah, c'est quoi ce que j'ai? Alors, je vais mettre une robe, je vais mettre une robe, normalement. Hop. C'est. Bah, si, une bougie noire. Super. Jack, c'est à toi. Le barman il est fait. Et il y a une des deux tables qui est faite, je crois. Oui, la table droite où il y a des marques. C'est une table en pierre avec des marques gravées sur la surface. Bon, je vais aller plutôt à droite. Alors, qui est à droite? Il y a une console et quoi d'autre? La console, effectivement, qui est dans le coin sombre. Et il y a une porte. Bon, je vais prendre la console. Yu est déjà allé voir dans le coin. Et... Ah, il a déjà regardé la console? Après, tu peux retourner. Ah, qui était allé à une table. Non, c'était celle où il y avait la rose. Mais tu peux retourner. Hein, ok, bon, bah l'autre. Je pensais pas qu'il avait fait deux actions. Ok, bah je prends l'autre table. Ok, donc tu t'assois quelques instants dans le fauteuil pour vous imprégner de l'atmosphère. Vous remarquez alors que vous êtes assis sur quelque chose. Il s'agit d'un vieux journal abandonné par un autre pensionnaire. Donc, tu récupères ce journal. Alors là, je vais vous lire parce que c'est écrit tout petit. Hop, donc, un vieux journal sur lequel il est écrit « Un grand magicien fascine ses spectateurs. L'énigmatique prestidigitateur, connu sous le nom de Maximilien le Magnifique, a subjugué son public dans toute l'Europe. Il s'est récemment produit au spectacle au célèbre hôtel Abaddon où il a présenté son tout nouvel accessoire, une baguette magique capable de faire voler n'importe quel objet en cuivre. Le plus sceptique pense que ces spectacles reposent sur des trucages. » Voilà. Yu. C'est quoi tout à droite au bar? C'est une porte. C'est une porte. Elle donne sur quoi cette porte? Bah, vous êtes pas encore allé voir. C'est une porte fermée pour l'instant. Donc tu regardes la porte? Ouais, je vais regarder la porte. Et là, en t'approchant, en fait, tu te rends compte que la porte a été carrément murée. Le barman remarque que tu t'intéresses à la porte et t'explique que c'est l'accès à l'ancien clocher. Comme le clocher n'a jamais été réparé après l'incendie, le passage a été condamné pour des raisons de sécurité. D'accord. Yolanda. J'aimerais bien retourner dans ma chambre. Mm-hmm. Donc, je sais plus combien c'était. La chambre G. Oui. Et donc. Et examiner les rideaux. Ok. Alors, tu écartes les rideaux de velours, la fenêtre donne sur le jardin envahi par les végétaux. Rien de particulier à signaler. Toutefois, dans la pénombre, tu remarques que derrière l'un des rideaux, une espèce corde d'appel qui pend du plafond. Voilà. Est-ce que tu veux tirer sur cette corde? Oui, forcément. Ok, et donc, Jérôme. Tu as la visite de Jérôme qui te demande si tout va bien. Bah, tout va bien, Jérôme. Ah, Susan. La chambre F est ouverte. Oui. Je vais aller faire un tour du côté de la baignoire. Ok, alors déjà on va présenter la chambre. Donc la presse. Donc une lumière qui a rendu. Ouais, elle va se passer. Une lumière qui est cette chambre entièrement ouverte. Contre le mur de gauche se trouve un bureau
équipée de plusieurs tiroirs. Juste à côté, une épaisse corde d'appel pendue au plafond, vous apercevez une baignoire en émail au fond de la pièce. La table sur la droite est encombrée par diverses affaires, et à vos pieds se trouve une poubelle, donc au pied de la table. Ah, ah bah non, plutôt la poubelle, tiens. La poubelle. Pas ma poubelle. Ok. Vous trouvez seulement une boîte de conserve vive dans la poubelle. Prenez la carte ouais, correspondante. C'était pas aussi. Voilà. Donc, tu as découvert une boîte de conserve. Jack. Bon, on a fait le tour du tableau C, je pense, hein, de tout le bar. Oui. Il faudrait trouver un moyen de. Du coup, je vais retourner dans le hall et je vais aller dans la chambre. Alors, dans laquelle ? Dans la tienne ? Ouais. Donc la chambre. Ah oui, j'imagine que j'ai la clé de ma chambre. Ouais, les chambres sont ouvertes en fait, donc vous pouvez accéder. Ah ok. Donc tu peux aller dans la chambre que tu veux. Là, si c'est ta chambre, c'est la chambre F. Oh, Suzanne. Non, pardon, c'est la chambre E, pardon. Ah ouais, t'as essayé avec ta rose là de monter le père. Ah non, c'est pas moi qui l'ai. Ah non, c'est pas toi qui l'ai. J'ai le couteau à beurre. Alors, du coup, tu vas dans quelle chambre ? Ça se prend tellement sexy. La mienne, la E, si tu la E. D'accord. Ok, bah du coup, je vais la présenter aussi, puisque on n'est pas encore allé. Alors. Cette chambre est décorée dans le style. Je vais y arriver. Cette chambre est décorée dans le style Art Nouveau. Au-dessus du minibar, un tableau vous interpelle. Vous voyez une grande fenêtre au fond de la pièce. Une corde d'appel pend du plafond à côté du lit et un gargouillement étrange retentit sous le lit. Oula. Bienvenue dans ta chambre. Donc tu peux regarder le lit, sous le lit, la fenêtre du fond. Par contre, le tableau. Par contre, tu feras attention, mon personnage c'est le bleu, je pense. Ah, pardon, oui. Exact, c'est Jack. J'ai interverti. Alors, que veux-tu faire du coup ? Ben, c'est simple, je prends mon couteau à beurre et je regarde sous le lit. Alors, on va déjà regarder sous le lit. Avec le couteau à beurre, hein. Oui, attends, avec le couteau à beurre, prêt à. Alors, lorsque vous approchez du lit, vous n'entendez plus un bruit. Vous vous penchez pour regarder en dessous, mais il fait trop sombre pour que vous puissiez y voir quelque chose. Souhaitez-vous passer votre bras sous le lit ? Oui. Avec le couteau à beurre. Et bien armé. Bien sûr. Je tends le couteau à beurre et j'agite en dessous en disant « Dehors, dehors, vieux démon !» Alors, tu tâtonnes sous le lit à la recherche de l'origine du bruit. Soudain, un frisson te parcourt le bras. Tu le retires vivement et remarques que tout ton bras est engourdi. Il se passe de quelque chose de très étrange par ici. Pour te remettre de tes émotions. Alors, j'aurais dû y aller avant d'ailleurs. Alors moi, Yolande, Suzanne, elle est partie prendre un bain dans ma chambre. Alors non, je fous tes poubelles, c'est différent. Donc il y a de la place dans la baignoire, si tu veux, pas de problème. Oula. Mais j'ai quand même envie d'aller dans ma chambre. Alors, que vas-tu faire dans ta chambre ? Je vais regarder le bureau. Ok. Sur la table se trouve tout un tas de broutilles. La seule chose intéressante, c'est un petit gobelet en métal qui scintille. Hop. Donc c'est un verre doseur avec une explication pour savoir comment l'utiliser. En jeu. Ensuite, Yolanda. Moi, je vais finir le tour de ma chambre, du coup je vais aller farfouiller dans les étagères. Tu farfouilles dans les étagères. Sur l'étagère, vous apercevez plusieurs bouteilles. En regardant de plus près, vous en trouvez quand même une qui est à moitié pleine. Et il s'agit donc d'une bouteille de rhum. De rhum.
Oui. Bon, on a un citron et une bouteille de rhum et un verre d'oseur. Bah, je vais aller voir le barman après avec. Suzanne. Du coup, il n'y a personne dans la bouche, enfin dans la baignoire. En tout cas, s'il y a quelqu'un, il est bien planqué au fond de la baignoire. Il n'est pas visible. Et bah, je vais aller voir s'il y a quelqu'un de bien planqué au fond de la baignoire. Cette baignoire est sans doute l'un des équipements les plus formidables de toutes les chambres de l'hôtel. Vous tournez de le robinet et de l'eau à parfaite température commence à couler. Un bain chaud vous détendrait, mais vous avez plus d'important à faire pour maintenant, d'autant plus que vous n'êtes pas dans votre chambre. Bon. Jack. Bah du coup, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je vais me remettre de émotions et aller voir le mini-bar. Tu vas voir le mini-bar. Parmi les différentes bouteilles entamées, vous en trouvez une qui ne semble pas encore avoir été ouverte. Et il s'agit cette fois-ci d'une bouteille de vermouth. Oula. C'est quoi, c'est du vermouth? Enfin, je sais que c'est de l'alcool, mais... C'est du vin... C'est une sorte de vin cuit. D'accord. Vermouth, c'est pas l'oncle d'Harry Potter, ça? Vernon. Alors, Yu, c'est à toi, justement. Qu'est-ce qui reste dans ma chambre? On a fait la baignoire, la poubelle, le bureau. Et il reste la table à gauche, je crois. La table à gauche. Et il y a un truc dans le fond aussi à côté de la baignoire. C'est la corde. Ah oui, mais ça va être pour faire déplacer le commis. Là. Bah, l'autre table. Donc là, pareil, tu fouilles le bureau et en ouvrant les tiroirs, vous trouvez des stylos, du papier, rien de surprenant en fait. Mais vous trouvez également quelque chose. Qu'est-ce que ça peut bien faire ici? C'est... Mais qu'est-ce donc? C'est une baguette magique. Pour finir le cocktail. C'est quoi? C'est une baguette magique. Une baguette magique. Ah, pour faire lever les trucs en cuivre là. Yolanda, c'est ton tour. Je vais voir la radio. Tu vas voir la radio. Le bouton fait clac lorsque tu allumes la radio. L'appareil siffle et grésille avant de laisser entendre un morceau de Jazz Guiré. Ça ressemblerait plutôt à un truc comme ça. Voilà. Au bout de quelques secondes, la musique est interrompue par la voix du présentateur. Une information importante vient nous parvenir. Un tremblement de terre a rendu impraticable la route qui mène vers le nord de la ville de Fontaine. Une déviation a été mise en place. Le quartier périphérique du nord de Fontaine et l'hôtel Abaddon sont pour l'heure inaccessibles et coupés du monde extérieur. Tu éteins la radio et tu te dis « Génial, il ne manquait plus que ça. » Oh là là... Suzanne. Il est hanté cet hôtel. Du coup, on a fait le tour de la chambre F. Ouais, sauf si tu veux faire déplacer. Le C, c'est le bas, c'est ça? Le C, c'est le bas. Ouais, donc ça a été le jeu ici. En bas, vous avez la salle à manger, la réception et le bar. Et en haut, vous avez vos quatre chambres. Ok. Bon, allez, je vais aller visiter la chambre G. Comme ça. Ok. Alors, il reste, je crois, le sol qui n'a pas été vu. Et ben voilà, regardez le sol. Peut-être. Non, ça a été fait. L'étagère, je crois que ça avait été fait aussi. Oui, donc il reste le sol. Oui, j'avais fait l'étagère. Ouais, il reste le sol. Vous observez le sol de plus près et vous remarquez que le carrelage forme un motif, le dessin d'un pan. Une sensation étrange vous parcourt soudain. Oui, un pan. Comme si un poids très lourd s'affaissait sur vos épaules. Heureusement, cette impression disparaît en un instant. Jack, c'est ton tour. Bah Jack, voir la Je t'ai perdu là. Qu'est-ce que tu fais du coup?
Ouais, il va aller voir à la fenêtre, Jack. Ok. Alors, la fenêtre est composée de nombreux morceaux de verre assemblés. Elle est bien décorée, mais il n'est pas possible de l'ouvrir. À travers la vitre, vous apercevez le jardin d'hôtel et l'entrée du fameux labyrinthe végétal. Vous aimeriez vraiment le voir de plus près si l'occasion se présente. Bon, pour l'instant, vous êtes coincé à l'intérieur de l'hôtel. Je cherchais un objet en cuivre pour tester ma baguette. Bah, la boîte de conserve. Ah non, ça c'est du fer. Elle est pas en cuivre, la baignoire, par hasard? Alors, tu peux essayer la baguette. Cette. Sur la... Une baignoire en cuivre, ce serait bizarre, non? Non, vas-y. Alors, tu t'approches de la baignoire et de manière très concentrée, tu agites la baguette au-dessus de l'eau qu'a fait couler Suzanne. Et tu t'imagines que tu vas pouvoir transformer toute l'eau en vin. Mais non, en fait, tu tapotes la baguette, ça fait qu'un petit peu de vague et il se passe rien. Mousse. Zut. Yolanda. Moi, je vais me rendre dans la chambre avec le lit bizarre, là. Celui-là. C'est la E. Ouais. Ouais, et on n'a pas examiné le lit encore. Jack est parti regarder sous le lit, mais pas le lit en lui-même. Alors je crois que le lit c'est pareil, c'est la corde en fait. C'est pas le lit en lui-même. Ah d'accord. Et le tableau il a été examiné? Non, le tableau n'a pas été examiné. Mais je vais examiner ça. Ok. Le tableau représente deux filles qui se ressemblent beaucoup, sans doute des jumelles. C'est tout? C'est tout. Est-ce que ce serait pas les mêmes que celles du... Bah écoute, c'est toi l'historienne, hein. Qui jouait. C'est toi l'historienne. J'ai pas entendu. Donc ça représente deux jumelles, et tu dis peut-être que c'est les mêmes que sur la photo dans la salle à manger, mais c'est toi l'historienne, c'est pas Yolanda. Yolanda, c'est une architecte. Mais c'est à ton tour de jouer. Et ben je vais aller voir ce tableau. Peut-être que je vais y voir. En tant que grande historienne. Alors, tu observes le tableau pendant un moment, fasciné par les sœurs jumelles. Qui étaient-elles et à quoi ressemblait leur vie? Malheureusement, le tableau ne donne aucune indication, si ce n'est les vêtements de style victorien et la signature d'un peintre inconnu. Ça vous décide cependant à en apprendre plus sur elle. Prends la carte Aventure M4. J'ai vu qu'il y avait des cartes plus particulières. Alors, qu'est-ce que cette fameuse carte Aventure M4? En fait, c'est ta mission. La photo des sœurs jumelles vous a profondément marqué. Découvrez ce qu'elles sont devenues. Donc en fait, c'est une sorte de but additionnel personnel. Donc, chacun peut avoir des missions aussi particulières. Et donc, effectivement, ça t'intrigue. Donc tu peux marquer des points à la fin du jeu si tu sais ce qu'elles sont devenues. Voilà, carte de mission que je mets à côté. Bah, déjà, peut-être standardiste. Qu'elle jouait avec des coups de téléphone tout à l'heure. C'est possible. Peut-être qu'elles ont beaucoup moins, beaucoup moins bien fini que ça, vu l'historique de l'hôtel, mais... L'avenir nous en dira plus. Jack. Bon, du monde dans ma chambre, là. Bon, c'est bon, t'as une bouteille de vermouth, tu peux servir un coup à tout le monde. On est venu à la rescousse. Et je vous en remercie, mesdames. Du coup, est-ce que je peux regarder... Est-ce que ça sert à quelque chose de regarder une nouvelle fois sous le lit avec une lampe, là? Avec quoi? Bah, vous avez pas de... Il n'y a pas de briquet. Non. Vous avez une bougie, mais vous n'avez pas de briquet, donc effectivement... Ah oui, mais c'est qui à la bougie? C'est You? Ah, moi j'ai une Je crois que c'est... Noire. Bah elle est où la bougie? C'est moi. Elle est là, oui, c'est Suzanne. Suzanne a une bougie. Tu peux me passer ta bougie? Mais... Voilà, ben... Mais elle a pas de briquet. Ah bah ouais, il n'y a pas de briquet. Non. Donc tu t'approches, je veux bien, hein, tu t'approches du lit avec la bougie, mais les deux autres te regardent en se demandant un peu ce que tu fais. Ouais, non, bah non... Mais alors du coup je re-regarde et je retouche le sol. Est-ce que mon bras il est toujours engourdi?
Effectivement, quand tu passes, en fait, t'as un sentiment un peu étrange, un sentiment de froid qui t'envahit et qui engourdit ton bras. Ouais, donc c'est pas... c'est toujours là, quoi. C'est... Oui. Pas juste... Quoi que ce soit, c'est toujours là. Je n'ai pas rêvé. Non. En tout cas, si t'as rêvé, c'est un rêve éveillé et qui dure. Ouais. Alors, Yu. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore revu là dans tous les tableaux Je crois que vous avez fait le tour. On a à peu près tout fait, hein. Et le tableau électrique, il a vraiment un intérêt? Ah bah j'en sais rien, pour l'instant il est défendu par Madame Fleureux, donc si vous voulez le regarder, il faudrait vous débarrasser de Madame Fleureux. Ouais, je vais tester la fleur sur Madame Fleureux. Après le citron, ça aura peut-être plus de succès. Alors, du coup, ça tombe bien, c'est toi qui l'as en plus. Donc tu reviens dans la réception et tu profites d'être seul avec Madame Fleureux pour lui offrir la fleur que tu as trouvée dans le bar. Donc c'est... Attends, je suis allé trop loin. Elle est surprise et elle te regarde en te disant « Une rose pour moi ?» Mais ses yeux, tu vois bien que ses yeux s'illuminent. « Merci beaucoup. » Elle est déjà un peu fanée, mais c'est tellement plus que ce que j'ai pu recevoir des autres pensionnaires. Je vais tout de suite la mettre dans un vase. Je vais voir si j'en trouve un au bar de l'hôtel. Sur ces paroles, elle quitte la pièce et elle va au bar de l'hôtel. Et par contre, évidemment, tu n'as plus la fleur puisqu'elle est partie avec. Ah bah oui. Voilà. Yolanda. Ah bah, pour le coup, du coup, je vais aller examiner le tableau électrique. Tableau électrique, ok. Alors, donc tu arrives devant le tableau électrique et tu vois que sur l'un des interrupteurs, il y a une étiquette bar. Est-ce que tu souhaites l'activer ? Il y a, sur le tableau, il y a un des interrupteurs où c'est écrit bar dessus. Est-ce que tu veux allumer l'interrupteur ? Alors, tu allumes le... Enfin, tu pousses l'interrupteur et en fait, il ne semble rien se passer. Ok. Alors, Suzanne. Et ben moi je vais revoir les tableaux dans la salle à manger. Ok. Je vais gauche et je vais regarder de nouveau sur la droite. Enfin, je vais regarder avec mon œil historien. Alors tu regardes lequel du coup? Et ben celui de droite. Ok. Il n'y a pas d'indice supplémentaire qui t'apparaît aux yeux, c'est toujours la photographie du clocher avant l'incendie. De nombreux personnages sont réunis devant le bâtiment pour un mariage, et on voit sous donc, la légende est toujours mariage de monsieur Lucien F. et de madame Gerson P. 1872. Ok. Rien de nouveau sur le soleil. Rien de nouveau, rien n'attire ton regard. Jack, enfin seul dans ta chambre. Pourtant j'étais entre. J'arrive pas à bien voir les. Alors dis-moi ce que tu veux faire. Celle-là, la violette? Non, la G a déjà été visitée. Est-ce que la D a été visitée en entier? Alors, tout a été visité en entier. Après, vous pouvez revoir des choses, parce que chacun a un regard particulier sur les lieux, en fonction de vos compétences. Oui. Je vais aller dans la D. Ok. Alors, il y a le coffre, l'étagère,
la commode et le miroir. Et le cordon pour appeler Jérôme. Je vais tenter le miroir pour voir. Ok. Alors tu t'approches à ton tour du miroir et que vois-tu à l'intérieur ? Visage. Tu te vois toi-même occupé à préparer un somptueux repas de fête. Pour ce faire, tu utilises des ustensiles de cuisine relativement désuets. Ah mais non, ce n'est pas vous. Il s'agit simplement d'un homme qui vous ressemble beaucoup. Avec ardeur, il prépare des plats que vous ne reconnaissez pas, et pourtant, il vous rappelle quelque chose. Mais quoi ? Fasciné, vous l'observez goûter une sauce, puis l'image disparaît. Je te laisse perplexe suite à cette vision. Vision d'avenir ou... Les instruments avaient l'air plutôt désuets que futuristes. Et ton grand-père ? Alors, mystérieux. Mystérieux. Je vais au bar, voir, parce que du coup, on a appuyé sur l'interrupteur en bar, voir s'il n'y a pas quelque chose qui a changé dans le bar. Non. Il n'y a pas de changement. Donc, tu rentres dans le bar, après avoir traversé la réception, et tu ne vois pas de changement notable. Que veux-tu faire ? Je vais aller regarder dans le miroir aussi. Ok. Du coup, tu montes. Tu t'approches à ton tour du miroir et ce qui t'apparaît est au départ trouble. Puis après quelques instants, tu aperçois un visage au niveau de la fenêtre derrière toi. Il s'agit celui de ton père. Il semble t'observer, un petit sourire au coin des lèvres. Surpris, tu te retournes, mais il n'y a personne. Yolanda. Je retournerai bien voir là où il y avait la porte murée pour voir si je peux en apprendre davantage. C'est dans le bar, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, la porte murée, c'était... Donc la porte est murée et à nouveau c'est le barman qui t'explique que c'est la porte qui menait au clocher mais qu'elle a été condamnée par raison de sécurité. Tu regardes la construction mais c'est une maçonnerie grossière et ça ne t'apprend rien. D'accord. Suzanne. Moi je veux regarder dans le miroir. À côté d'un miroir. Ok. Alors. Je vais te déplacer d'abord. Hop. Je suis tellement vieille que le miroir va me dire que je mourrai bientôt. Dans le miroir, tu aperçois une petite femme. Porte des vêtements du 19e siècle. Elle joue avec une poupée, lui parle, comme pour la rassurer. Est-ce qu'elle a peur elle aussi ? Vous tendez la main vers elle. Tu tends la main vers elle pour la réconforter, mais la petite fille disparaît comme par magie et vos doigts ne rencontrent que la paroi froide du miroir. L'illusion disparaît, te laissant perplexe sur ce que tu as vu. Jack. Jack. J'avoue ne pas bien savoir quoi faire. Bah là, les problèmes qui se posent, c'est peut-être d'aider le barman à trouver la recette du cocktail. Je me suis dit qu'on avait pas mal de petites d'alcool. Moi, j'ai du vermouth ou pas, finalement ? Alors là, il y a une bouteille de rhum chez Yolanda, il y a un verre d'oseur chez Yu, et il y a une bouteille de vermouth chez toi. Donc moi, je l'ai bien. Et le citron, quelque part aussi, si jamais ça sert, que tu as. Mais ça ne suffit pas à faire un bon cocktail. Ouais, Je vais aller voir. Bah, ça tombe bien. Yolanda, elle est au bar. Ah bah non. Alors, Yu est avec moi. Je vais aller prendre son verre d'oseur. Ouais, ok. J'ai le verre Moon, le verre d'oseur.
Et tu veux prendre le... Je vais voir Yolanda pour la bouteille de rhum. Ok. Et normalement, j'ai tout. Ok. Et qu'est-ce que tu fais avec tout ça, alors, du coup? Est-ce que je... Parce que si je retourne le voir avec tout ça, il va rien me dire. Alors, il te dit que effectivement, c'est intéressant d'avoir tous ces alcools et tous ces produits, mais que tant qu'il n'a pas la recette, en fait, il n'est pas capable de faire le bon dosage. Parce que c'est pas uniquement les ingrédients qui comptent, c'est aussi le dosage. Bah ouais. Ah non, mais comment on peut avoir la recette? Alors, spécialiste de l'occulte, est-ce que tu aurais une idée? Est-ce qu'il n'y a pas des choses un peu extraordinaires sur lesquelles tu pourrais enquêter et mettre tes talents au service? Des bruits dans l'alcôve à côté du bar, là. Tout à fait, il y avait ça, par exemple. Comment faire pour entendre mieux ce qu'ils disent? Je sais. Hein? On a pas eu la boîte de conserve. La boîte de conserve, ouais. Ouais, avec la boîte de conserve, j'ai pensé un peu aussi. Alors, vous tentez ça? Ouais. Alors, tu récupères la boîte de conserve, tu vas au bar, et tu t'approches avec la boîte le long de la paroi. Attends, il faut que je retrouve... Tendu, tu places la boîte de conserve vide contre le mur et tu en approches l'oreille. Ça fonctionne, vous entendez beaucoup mieux. Vous distinguez le murmure de deux voix et un morceau de piano en fond. Vous parvenez à comprendre ce qu'elles disent. Nous n'aurions jamais dû sceller l'accès au clocher, mais c'était le seul moyen d'éviter que ces choses n'en sortent. Et que se passera-t-il si nous devons sonner la cloche? Ne te fais pas de soucis, il y a toujours la trappe secrète dans l'une des chambres. Faut juste placer un poids conséquent sur le pan. Quelle discussion énigmatique. Et d'un coup, les voix changent, comme si elles s'adressaient désormais à vous. Et qu'est-ce que vous faites là? C'est une discussion privée. J'espère que vous aimez l'obscurité. Sur ces mots, la lumière s'éteint, et la pièce se retrouve plongée dans les ténèbres. Bien. Et là, l'hôtel, le bar, donc se retrouve dans le noir. Et les lieux changent. Donc je place là. Donc vous vous retrouvez au bar, qui n'est plus tout à fait le bar. Mmh. Donc là je vous décris le nouveau lieu. Le bar est désormais plongé dans l'obscurité si l'on ignore cette lumière verte qui scintille légèrement. Cette lueur, étrange et inquiétante, semble venir d'un autre monde. Est-ce bien la même pièce que tout à l'heure? Tout semble si différent tant au niveau des bruits que des odeurs. Chaque objet semble avoir changé. Vous n'y voyez presque rien, vous tâtonnez dans l'obscurité pour avancer. Voilà, donc vous êtes dans le noir et vous avez les différents lieux que vous pouvez à nouveau regarder. Alors du coup, Yolanda, plongée dans le noir avec tes camarades, que vas-tu faire ? Donc la pièce ne semble pas être la même. C'est la même sans être la même. Je vais regarder la porte. La porte de droite. Vous avancez tant bien que mal jusqu'au mur d'en face à tâtons et tendez la main vers la porte murée. À peine l'avez-vous effleurée, une vive douleur vous saisit la main comme une décharge électrique et une voix retentit dans votre tête. Accès interdit. Suzanne. D'accord. On peut sortir du bar ou pas? On est tous dans... Ah bah toi t'es pas dans le bar. Ah non, vous pouvez sortir, vous êtes juste dans le bar. Toi t'es pas dans le bar. On est juste tous dans le bar. Je vais descendre à la réception et je vais regarder le buste. Ok. Avec mes yeux d'historienne.
Donc c'est un buste en marbre qui, comme je l'ai déjà dit, représente Sir Hugo Bernard, 1771-1849, constructeur de l'hôtel Abaddon. Son nom ne te dit rien. D'accord. Je sers vraiment à rien. Bah si, t'as ta mission. Il faut trouver ce que sont devenues les petites filles. Ce n'est pas un architecte qui va te donner la réponse. Jack. Est-ce que on est dans le noir et donc la pièce a un peu changé. Est-ce que le barman, c'est toujours le même barman? Ah bah, il faut aller le voir. Ouais, je vais voir. Tu tâtonnes dans l'obscurité et tu arrives jusqu'au comptoir et tu interpelles le barman. Sa silhouette semble plus mince qu'avant et le timbre de sa voix est complètement différent. Bonjour, souhaitez-vous un verre d'ivresse d'Abaddon? C'est un cocktail que je viens d'inventer, un pur délice si je puis me permettre. Tandis qu'il prépare son mélange, vous apercevez un bout de papier sur le comptoir avec la recette écrite dessus. Vous la recopiez rapidement, juste à temps. Le barman se retourne vers vous, vous tend un verre. Vous essayez de vous en saisir, mais votre main passe au travers. Et donc, tu as trouvé la recette. Alors, note sur le cocktail l'ivresse d'Abaddon. Il faut 2 shots de rhum, 1 shot de vermouth et 1/4 de citron. Et je vous lis du coup ce qu'il y avait sur le verre doseur. 1 shot, premier chiffre. Donc là je vais vous donner les différents, parce que je vais pas vous donner la réponse comme ça. Je vais vous donner les différents numéros. Donc le rhum, c'est 42. Le vermouth, c'est 31. Et le citron, c'est 28. Au niveau des numéros. Ça marche ? Le vermouth, c'est donc, combien ? 31. 42 pour le rhum, 31 pour le vermouth, et 28 pour le citron. Et le verre doseur vous donne les indications suivantes, que pour un shot, il faut prendre le premier chiffre, pour deux shots, il faut prendre le deuxième chiffre, et pour un quart, il faut diviser par 4. Et donc, quand vous aurez trouvé les proportions correctes, vous pourrez me donner le numéro qui correspond au cocktail. Donc je redonne les proportions. Il faut 2 shots de rhum, 1 shot de vermouth et 1/4 de citron. 2 shots de rhum, 1 de vermouth et 1/4 de citron. Voilà. Bah, attends, j'ai pas compris. Tu les as les proportions là? Ça a l'air spécial. Hein, oui, mais. Donc quand vous avez avec le verre doseur, il faut que tu doses. Et quand on te dit que c'est un shot, il faut prendre le premier chiffre de la carte. En fait, il me faut un code à 3 chiffres qui va correspondre aux 3 ingrédients. Le premier chiffre, ça sera le rhum. Le deuxième chiffre, c'est du vermouth. C'est 2, 3 et 7. Moi j'ai ça aussi. Vous avez enfin trouvé la recette du cocktail et les bons ingrédients. Plus rien ne peut désormais vous empêcher de déguster ce délicieux breuvage. Et donc, pour conserver ce savoir pour les générations futures, vous décidez de noter la recette. Donc on range ça dans la boîte. Vous gardez juste le verre doseur. Et vous prenez la recette. Donc c'était la bonne recette. Et vous avez donc la recette de l'ivresse d'Abaddon. Voilà. Bien. On n'aura pas perdu notre soirée. C'était Jack, ça, du coup. C'est Jack, c'était un effort collectif, là, on va dire. Je sais plus trop où on était. Tout à fait. En plus, on était tous dans la même pièce. Ouais, sauf Suzanne, qui traîne au... Suzanne est partie faire une quête secondaire. Ouais, c'est ça. Ouais, fait bande à part. Moi, je vois pas, tu vois. Alors, Yu... Que veux-tu faire? Est-ce que je peux porter la table? Merde, pardon. La grosse table. Bah, je vais revoir la grosse table d'abord. Celle qui est à droite. Oui, d'accord. Celle en pierre. Alors. Je sais que la table ne rentre pas dans ta poche. Les gravures sur la table sont phosphorescentes. Si vous les observez sous le bon angle, elles forment un triangle. Vous posez la main sur la table pour toucher les sillons, mais la table est totalement lisse. Voilà. Alors, Yolanda. Il y avait deux tables. Oui,
Il y a la table aussi à gauche avec les fauteuils. Je vais voir l'autre du coup. Devant vous se devrait se trouver une table et deux fauteuils, mais vous ne rencontrerez rien. Vous ne rencontrez rien lorsque vous avancez à tâtons dans ce coin de la pièce. Donc dans vos souvenirs, il y avait une table et des chaises, mais là en avançant, il n'y a plus rien. Ça a disparu. Voilà. Suzanne. Je salue une électricité ou. Tu vas là, 701, enfin au, dans la réception, là, la salle à manger. Ouais, la salle à manger. Ah, donc, à moins que vous ayez des affaires encore dans le bar. Mais je ne sais pas si je lumière soit éteinte. Alors, qu'est-ce que tu fais du coup ? Tu allumes la lumière ou pas ? Là, il y a la console que vous n'avez pas regardée. La seule chose que vous n'avez pas regardée, c'est la console. Je ne voudrais pas les priver du. J'ai pas entendu la fin. Bah écoute, je vais les rejoindre. Rejoindre dans le. Ouais. Okay. Et je regarde la console. Ça marche. Dans le coin sombre, mais là en fait toute la pièce est dans le noir. Alors. Vous avancez prudemment vers le coin du fond, vous avez l'impression de sentir quelque chose de piquant. Si vous l'avez pas encore, prenez la carte 13. Bah, c'est la rose. Donc en fait, vous l'avez déjà. Ah. Enfin, on l'a pris, mais... Non, vous l'aviez déjà pris, oui. Mais vous l'avez plus, effectivement. Du coup, c'est à Jack. Je vais tester ma baguette sur la table. C'est pas moi, Jack. C'est pas toi, Jack, ouais. J'ai tellement envie de faire ça. Là, on est toujours dans le noir, hein. Oui. Laissez-moi est-ce qu'en étant dans le noir, on peut encore accéder à la porte? Elle est murée déjà. Elle est déjà murée, oui. Et quand tu te rapproches, il y a une sorte de décharge électrique et un message mental qui te dit je ne peux pas passer, que c'est dangereux. Mais je grand chose à voir là. Moi je vais aller du coup dans la chambre où il y a le pan. Ok. Et qu'est-ce que tu fais dans la chambre où il y a le pan? Je crie dans l'escalier. Venez. il faut s'asseoir sur le pan. Alors tu peux essayer effectivement de sauter sur la dalle, ça fait boum, mais ça ne sert pas à grand chose. Non, il faudrait qu'on soit... Ah, qu'on soit plusieurs. Bah oui. Bah oui, comme avec les clés. Pour un objet lourd, la table elle est lourde, on peut pas porter la table. Alors, bah c'est à toi de jouer, alors tu peux proposer. J'utilise ma baguette sur la table. Regardium, ah, les bios. Ouais, c'est un peu ça. Un peu comme dans la chambre, tu agites la baguette et tu l'approches, tu fais faire des cercles autour de la table, mais la table ne bouge pas d'un iota. Là, tu te rappelles que la baguette ne marche que sur les objets en cuivre. En tout cas, c'est ce que prétendait la table. Alors. C'est ce que prétendait. C'est pas une baignoire. Voilà, c'est ce que prétendait la comment le papier, l'article de journal. C'est vrai. Et la baignoire, j'ai essayé, ça a juste fait bouger l'eau. Oui, ça a fait tapotis dans l'eau. Non, pour l'instant, vous n'avez pas vraiment d'objet en cuivre. Il n'y a pas d'objet en cuivre. Sur quoi l'utiliser? Mais bon, maintenant, vous avez la recette. Une recette? Bah, la recette du cocktail. Oui, bah on ira, quand on rallumera les lumières, on ira voir notre... Mais sinon, on peut essayer de se mettre tous sur la dalle du pan aussi. Ouais. Vous voulez essayer ça? Mais moi, j'ai fait... Du coup, Oui, bah après, là, si vous décidez de faire ça en action collective, on peut faire ça, voir ce que ça donne. Allez, action collective. Alors, je vous mets tous, du coup, dans la chambre. Alors, vous êtes tous réunis dans la chambre de Yolanda, et vous placez tous sur la dalle. Quelque chose crisse, mais il semblerait que ça ne soit pas suffisant.
un léger bruit. C'est pas assez lourd. Voilà, il semblerait que ça soit pas assez lourd. Eh ben. On va pas mettre le groom sur la dalle avec nous. j'avoue qu'il vous regarde un peu perplexe en se demandant pourquoi vous êtes tous dans la même chambre. J'utilise ma baguette sur le groom. Alors, Suzanne, du coup, on va refaire un tour. On va faire de beau. Bon, je rallume, mais je m'essaie de quitter la recette. Alors, tu vas, effectivement, cette fois-ci, en actionnant l'interrupteur, ça fonctionne. Les lumières se rallument dans le bar. Jack. Où est-ce qu'il y avait dans la chambre F? Qu'est-ce que tu cherches? Ça le truc, la baignoire avec l'eau. C'est dans la F? Oui. Ou dans la G? C'est dans la F. C'est dans la chambre verte. Dans ta et chambre. Et dans la G, dans la G, il y a rien. Y a rien d'autre. Y a rien de plus que ce qu'on a déjà fait et y a pas d'objet lourd. C'est ça que vous cherchez. Y a le coffre sinon dans ma chambre. Ah, y a le coffre. Et le coffre qui est en acier. Qui est plutôt en acier, mais. Mais on peut pas le bouger le coffre. Ça paraît difficile, mais vous avez pas essayé non plus. On a pas essayé. Bah. Oh, on a qu'à faire une action collective sur le coffre. Alors, je vois pas trop l'action collective là. En fait, il est encastré dans le mur. Il y en a qui poussent. Mais il est encastré dans le mur, donc déjà il faut le sortir du mur si vous voulez le placer. Ah, oui, le couteau à beurre. Avec les clés, elles sont solides. Alors, qu'est-ce que tu fais, Jack? Et aller me coucher sur mon lit vivant. Plus pratique l'été. Sous ton lit vivant. Non, bah, je vais retourner dans la chambre là, dans ma chambre en ouais. E, je crois. Oui. Et je vais regarder le tableau que Suzanne a regardé tout à l'heure pour voir si je vois pas. Alors, donc c'est le tableau qui représente les jeunes filles et la seule chose qui te marque, c'est qu'elle se ressemble beaucoup et qu'elle devait être jumelle. Plus. Mais rien qui te parle. Du coup, Yu. Il faut aller donner la recette au barman. Alors, tu vas donner la recette? Ouais. Je prends la recette au barman. Enfin, je prends la recette chez Yolanda. Vous étiez dans la même. Alors, du coup. Regardez. À la fin. Hop. Et c'est. Ouais, c'est ça. Alors, tu tends la recette au barman et son regard s'illumine. Je ne sais pas, vous avez trouvé ça, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Vous êtes génial, c'est la maison qui offre sa tournée d'Iva Sabadon. Et vous savez quoi? Je pourrais même vous laisser jeter un œil à notre vieille cave à vin. Elle est fascinante. Si cela vous intéresse, suivez-moi. Alors, évidemment, tu acquiesces. Hop. Et. Il vous emmène dans la cave. Dans la cave. Donc, voilà. Sous la. Sous le bar. Et il te laisse. Donc après s'y avoir accompagné, il te laisse regarder par toi-même. Alors du coup, la cave. Alors je vous. Change de musique, voilà. Et je vous décris la cave. Alors. Hop. Non, j'arrive pas. Je sais pas comment ça se voit là. Donc l'escalier mène à une cave sombre, tout semble très ancien, les murs en pierre, le plafond voûté, les dalles au sol. Dans l'un des coins de la pièce se trouve une pile de tonneaux. De vieilles bouteilles de vin sont entreposées dans les niches des murs, et vous apercevez sur une table des papiers recouverts de poussière. Au pied du mur à droite, l'une des dalles attire votre attention.
Voilà. Alors, que veux-tu... du coup, c'est Yolanda. Tu as fait ton action. Yolanda, que veux-tu faire? Du coup, je vais aller regarder... Je vais regarder la dalle qui attire mon attention. Ok. Alors... La dalle qui attire ton attention. Vous remarquez des rayures sur la dalle de pierre au sol. En regardant de plus près, vous constatez qu'il s'agit de quelques lignes qui se croisent. Rien de particulièrement passionnant, cependant. Ok. Suzanne. Et bien, est-ce que je peux regarder la même dalle? Oui. Mais là aussi, aucun détail supplémentaire n'attire ton attention. Jack. Bah, je vais aller déjà dans la cave et puis. Il y a des papiers, non? Oui. Des papiers sur la table, là. Oui. Regardez les papiers. Les documents sont en fait d'anciens papiers, vieux de plusieurs décennies. Vous en survolez quelques-uns, et il s'agit principalement de factures d'achat de produits alimentaires. Voilà. Donc, il y a les tonneaux, les papiers, les bouteilles de vin, le mur de droite, et puis le dallage, le sol. Le mur, tu me le laisses. Bon, bah, je vais regarder les tonneaux, alors. Ok. Ces vieux tonneaux sont tous vides, mais l'un d'entre eux est différent. Il s'agit d'un tonneau en cuivre. Il est grand et très lourd. Avec un petit effort, vous parvenez toutefois à le soulever pour le transporter. Hop. J'ai pas besoin de la baguette. Tu as trouvé un tonneau en cuivre vide. Mais comment il peut être plus lourd que... Bah si, du vrai. Yolanda. Il y a que Yu qui peut faire bouger le tonneau en cuivre. Ah bah là, il est vide et même si c'est un peu lourd, vous arrivez mais à moi, le transporter. Mais moi, je vais partir sur des amis. Alors, le mur de droite est une épaisse paroi en pierre. Le mur est un peu piqué, mon tonneau. Donc, le mur est une épaisse paroi en pierre, vous ne voyez rien de spécial et vous y attardez pas. Ok. C'est un mur solide, qui vous rappelle que l'univers est concret. Suzanne. Est-ce qu'on peut le mettre qui reste dans la cave Les bouteilles. Bah, faut regarder les bouteilles. Cet hôtel regorge de vieilles bouteilles et ce n'est pas fini. Ici aussi, les étagères en sont pleines. Vous hésitez un instant à en boire une bonne gorgée, mais vous remarquez quelques étiquettes. Il y a écrit Château Lafleur, 1953, le Picrate, 1938. Certaines bouteilles ont 70 ans. La valeur de ces vins est sans doute inestimable s'ils n'ont pas encore tourné au vinaigre. Mieux vaut ne pas y goûter. Étrangement, l'une des bouteilles n'a pas de bouchon. Voilà, c'est tout. Jack. Tous les numéros ont été faits dans la cave? Oui. Et j'ai pas entendu ça couper. Yolanda a pas pris la baguette à You? Non. Non. On a empêché son. Mais le tonneau en cuivre, y a pas besoin de la baguette. Hein. Vous l'avez pris et. Bon, avec quelques difficultés pour le, il est lourd, le transporter, mais. Il est lourd, mais ça va. Il est transportable. Que je peux le prendre avec la baguette et le transporter sur le... Oh, tu peux le prendre sans la baguette. Sur le pan. Tu peux l'emmener sur le pan. Donc, hop, tu l'emmènes sur le pan. Ah, ouais. Donc, je suppose que tu le fais tomber sur le pan. Violemment. Ce qui veut dire que ça fait... de dossier. Ça fait un truc comme ça. Mais rien ne se passe. Donc tu as projeté violemment le tonneau sur le sol, mais rien ne se passe, il ne semble pas assez lourd.
être que rempli. Ce serait une autre histoire. Remplir rapidement. Alors, Yu, tu as une idée? Bah, vu qu'on m'a piqué mon tonneau, je vais regarder la dalle aussi. Tout le monde l'a regardé sauf moi. La dalle de la cave? La cave, ouais. Tu ne remarques rien de particulier non plus. Oh, mince. Yolanda. Je vais tenter de prendre le tonneau et de le remplir dans la salle de bain de Suzanne, là. Ok, alors du coup, tu prends le tonneau, hop. Franchement, moi, j'ai pas la salle de bain. Non, la salle de bain de Yu, je crois. Enfin, dans la baignoire, quoi. Il y a des gens qui ont des privilèges que je n'ai pas. C'est ça, en fait. Il y a une chambre où il y a une salle de bain, les autres, c'est sympa. Donc tu places énergiquement le tonneau en cuivre dans la baignoire et le remplis d'eau. Jusque-là, pas de problème. Le problème, c'est qu'une fois rempli, il est bien trop lourd pour que tu puisses le soulever. Donc, tu n'as plus le tonneau vide, mais tu as le tonneau... Il est où ? C'est là que va servir la baguette. Hop. Donc, 46. Voilà, tu as un tonneau plein. Tonneau en cuivre rempli d'eau. Vous ne pouvez pas déplacer cet objet. Donc là, il est dans la pièce. Et tu ne peux pas déplacer l'objet. Ensuite, Suzanne, c'est ton tour. Eh ben, je vais emprunter la baguette pour venir en aide à cette pauvre Yolanda qui veut tuer contre nous. Ok. Alors, du coup, tu agites la baguette et bien que tu ne sois pas expert dans la matière, ça semble avoir plus d'effet que les escalettes. Attendez, là, j'ai une attaque de chat. Tu veux jouer? Dès que la baguette magique effleure le tonneau en cuivre rempli d'eau, il s'élève dans les airs. Vous pouvez désormais le déplacer sans effort. Quelque chose vous dit que l'effet magique de la lévitation prendra la fin quand le tonneau sera au bon endroit. Rangez la carte aventure 46. Et vous prenez la 47. Donc là, c'est le tonneau rempli qui flotte. Hop. Tonneau en cuivre flottant. Donc là, tu peux le mettre où tu veux. Ouais, donc on l'emmène sur la dalle du pont, là. Alors, Jack, c'est ton tour. Bah, le tonneau, alors, il est emmené sur la dalle du pont ou pas? Pour l'instant, il est encore dans la salle, dans la chambre. Dans la salle. Donc là, tu prends la... Donc il est rempli, donc je prends... Ouais, voilà. La baguette. Je prends le tonneau. Alors. Ouais, pareil. Oui. Je prends la baguette pour déplacer le tonneau et je le mets dans la... Résultat. Voilà, cette fois-ci, effectivement, le tonneau a fait office et a révélé. Alors, attends, regarde, 47. Hop. En vous approchant à nouveau du pan dessiné au sol, vous ressentez à nouveau cette étrange sensation écrasante. Tout à coup, le tonneau rempli d'eau tombe au sol dans un fracas assourdissant. Un miracle que vos doigts de pied n'aient pas été écrasés. De l'eau atterrit sur vos chaussures, mais vous n'y prêtez pas attention. Vous êtes focalisé sur le tonneau qui appuie sur les dalles. Soudain, certaines d'entre elles commencent à s'enfoncer dans le sol et vous entendez de petits bruits métalliques. Le tonneau s'enfonce à son tour dans le sol et finit au beau milieu d'un tunnel. On dirait que vous avez trouvé un passage secret. Vous descendez le long de l'escalier en pierre, passez entre le tonneau et le mur et continuez dans le couloir. Quand vous arrivez au bout, vous trouvez une échelle appuyée contre la paroi. Vous levez les yeux et découvrez qu'elle mène au clocher. Vous avez enfin trouvé comment y accéder. Un courant d'air glacé vous arrête alors que vous vous apprêtez à grimper. Au moment de relever la tête, vous apercevez trois fantômes phosphorescents qui foncent sur vous en hurlant. L'hôtel est véritablement hanté. Effrayé, vous tombez en arrière. Les fantômes vous dépassent et se ruent dans le couloir, vers la chambre que vous avez laissée derrière vous. Vous êtes gelé jusqu'aux os et ne pensez qu'à une chose. Quittez cet endroit. Félicitations,
vous avez terminé le chapitre 1. Voilà, vous avez terminé le premier chapitre en 2 heures. Bah, c'est une bonne, c'était ce que j'avais un peu envisagé. C'est une bonne, bonne performance. Voilà. On a donc... été un peu long au démarrage, mais c'est le couteau à beurre qui a fait la. Ouais, mais j'avoue que c'est un peu capillotracté. C'est un peu capillotracté le coup des doubles, comment, des porte-clés, voilà. Mais voilà, donc c'était un peu le mécanisme. Alors évidemment, pour avoir la fin, bah, soit il faudra refaire une partie en in, soit une partie en off, comme vous voulez. Je n'ai pas été au-delà, je ne connais que cet épisode-là. Mais c'est pas mal, sachant qu'il y a une petite rejouabilité, donc c'est le deuxième que j'avais fait, hein. On avait déjà essayé un premier. Je vais aller le chercher d'ailleurs, je vais vous le montrer. Je me débarrasse du chat. Donc il y a je me suis trompé, j'ai dit Exploding Kittens, ça marche pas. Donc Exploding Kittens, oui, c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec la choucroute. Donc j'avais testé le donjon en compagnie de Cherke et d'autres amis, et qui était plutôt ici dans un contexte Heroic Fantasy. Pour l'instant, la gamme française compte 3 histoires, donc le donjon, Heroic Fantasy, Frisson et Hôtel Abaddon, un petit peu horreur, et un troisième qui tourne apparemment autour d'un labo et plutôt un truc, je sais pas trop, à la James Bond ou un peu science-fiction. Sachant que la gamme est beaucoup plus développée que ça, notamment en Allemagne. L'éditeur allemand propose 7 histoires, je crois, pour l'instant, avec des styles très variés à chaque fois. Et donc on s'était rendu compte qu'il y avait aussi une petite rejouabilité, puisque effectivement là vous êtes aperçu qu'il y a certaines actions qui dépendent des personnages qui les font. Suzanne a réussi à trouver sa mission par exemple, alors que les autres les ont pas, et ce qui conditionne le score de fin. Il y a certaines actions aussi qui peuvent en invalider d'autres, et donc effectivement il y a parfois plusieurs façons de résoudre les énigmes. C'est pas le cas dans cette partie-là, dans ce début de partie, mais ça avait été le cas dans le donjon. Donc je me souvenais par exemple de portes à ouvrir, et il y avait plus de portes que de clés. Donc il y avait forcément un prisonnier qu'on laissait croupir dans sa cellule et qui ne pouvait pas venir nous aider. Voilà, donc c'est une gamme assez sympathique. Bon, le côté effectivement point and click, on le comprend bien, même si c'est plus marketing dans l'idée que véritablement point and click, vu que le jeu est très coopératif, mais ça fonctionne bien. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé tous les quatre. C'est très bien que est-ce qu'on avait passé à côté de beaucoup de choses? En fait, au niveau de l'histoire, non. Par contre, enfin, au niveau des énigmes, non. Dès la fin, vous avez tout résolu. Par contre, vous avez raté beaucoup de choses au niveau justement les missions additionnelles, qui font que chaque personnage a sa propre quête. La Suzanne a trouvé sa propre quête, qui est liée aux petites filles, mais les 3 autres n'ont pas encore trouvé leur mission. Et en fait, je pense que c'est surtout J'aurais cru que ça aurait été dans l'alcool avec les voix, moi du coup j'arrive pas du tout à voir où est-ce que ça peut être, mais bon. Ce qui déclenche... dans l'alcool, là c'est obligatoire. Et quel que soit le personnage, en fait, ça déclenche la partie paranormale. Ouais. Puisque c'est ce qui permet de replonger dans le passé et d'aller chercher la recette. Donc ça, c'est une énigme obligatoire, en fait. Voilà. Donc je ne sais pas si ça vous donne envie de faire la suite ou pas. Ouais, tout à fait. Bah, il faut... Normal, tant qu'on a commencé, il faut savoir
prêt? Oui. Pour savoir la fin. Il y a combien de chapitres en Il y a trois chapitres. Il y a trois chapitres. D'accord. Après, je sais pas s'ils sont tous de longueur pareille, enfin identique. Et puis évidemment, ça dépend des énigmes et comment on les enchaîne, c'est sûr. Mais si ça vous dit, on peut continuer. Comme je disais, en in ou en off. Ça marche. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu dans les deux sens du terme et de m'avoir accompagné pour cette présentation et cette partie plus longue que d'habitude, mais au moins ça donne véritablement une idée du jeu et des mécanismes. Pour ceux qui nous ont suivis, n'hésitez pas à aimer la page ou à nous dire aussi ce que vous en avez pensé et puis à tester vous-même cette gamme. Si vous voulez voir la suite, là aussi, laissez un message et puis on verra comment on s'organise. Comme d'habitude, je vais quand même terminer sur une petite démo. Alors cette fois-ci, c'est une démo PC du groupe Looniz et qui s'appelle Aurore, quelque chose comme ça, donc qui était un peu dans la thématique. Donc je vous dis une bonne soirée à tous et puis je vous retrouve jeudi pour la suite de The Blind Prophet. Normalement, le problème de bug est résolu grâce à Baptiste qui m'a débloqué. Voilà, donc merci encore à tous les quatre. Merci donc à Cherky, à Rod, à Claire et à Dédis d'avoir pris de leur temps et d'avoir contribué à cette émission. Et puis, merci à vous d'avoir regardé. Ciao, ciao, bonne soirée merci à tous. Merci d'avoir fait la vie. Merci à toi. Merci, bonne soirée.
Thank you.